Et voilà. Yo, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui entre cousins, comme promis, sur Dance. Bonjour tout le monde. Je suis déjà en train de me dire que je pourrais mettre ma lumière d'appoint, parce que ma tronche est en clair-obscur, voire rien. En espérant que tout le monde aille bien, on va faire des foufoux. 6 jours de détente et chez Bao. Je lance le jeu. Ah. Et Ouais, je j'attends lance. que Ouais. se connecte. Ouais. Ma lumière dans la gueule. Bon, comme j'ai un écran moins, par contre, je ne verrai pas ton chat. Donc, si les gens communiquent sur ton chat, je ne le verrai point. Ok. Contre, je vais essayer de bien m'installer sur mon fauteuil ergonomique pour éviter de me. J'ai pas l'habitude de rester des heures et des heures assis. Oui, ça fait longtemps que j'avais pas stream, mais bon, vu les. Ouais, c'est J'ai pas vrai. mal de boulot en ce moment et les températures, ouais. Là, je suis déjà à plus de 25. Ouais, ça joue. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il me fait lui? On va regarder Non, ça. ça fait tellement longtemps, Valérie, comment que ça va? Coucou! Bah alors? Oh là là! Alors que ça fait une éternité que je ne fais plus de bibi. Comment vas-tu? Ah, c'est génial, en ce moment je cumule les surprises des anciens contacts de direct qui passent. Oh, pas trop le top! Ah merde! Oh, tu sous-entends que t'as encore des soucis de santé, que tu passes par la case hôpital? Ah merde! Ah bah courage avec ça. Oh là là. Ouais, avoir la santé défaillante avec la chaleur par moment là quand c'est moite, Le c'est test, une horreur. voir si je peux passer sur trois écrans, sur le même écran, Ouais, si je ouais c'est ça. lance un nouvel onglet. Oh là, c'est fou que tu retournes par la case hôpital. Et bah courage avec ça, Valérie. Dur. Ah, attends, je vais cousin, ouais, je charge la partie là que j'ai dit en campagne coop. Et je devrais te faire l'invitation juste après. Eh ben, bon bah j'espère qu'on va te changer les idées, Valérie, là, tu vois, on joue peinard entre cousins aujourd'hui. On fait mémus comme des gosses. Ibi. Voilà, invité ami. Oui, bah j'ai qu'à cliquer. Ah oui, je peux changer mon apparence, c'est vrai. Oh là là, ce jeu tout fou, c'est rigolo. Oh la tête, ça qui est terrible. Oh là là, mon Dieu. Oh. Non, oui, j'allais dire, elle peut pas mettre des lunettes par-dessus là, parce que sinon c'est nimp. Oh là 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 là. Yep. Oui, je suis pas grave ça. Oh la vache! Ah ouais, comment qu'elle fait peur comme ça? Alors attends. Le jean, on va peut-être changer. Eh, pas mal, ça fait assorti. Le pantalon qui fait assorti. Qu'est-ce que vous... Voilà, je garde Ouais, mes c'est armes. bizarre que je les ai en double. C'est vraiment bizarre. Ouais. Ça m'a l'air pas mal du tout. C'est un style.
Je suis désolé, je valide. Mais c'est un style. Alors, garage, j'avais pas fait la dernière fois, mais on peut personnaliser les bolides. Enfin, on va dire les plus conventionnels qui soient, là, parce que j'en ai tellement des délirants. Oh mon dieu! Voilà, la neuron, la neurone, elle est normale à la base, mais on peut la personnaliser. Ah, les petits sous. Accepter les petits souris. Oh la Moi, j'aime. vache. Avec des jantes style de jantes. Ah ouais! Oh, bah alors il se met déjà en panique, mon ordi. Ah bah voilà, bien. Bah oui, alors qu'il fait pas si chaud que ça, j'ai 27, mais bon. Alors, Valérie, tu me dis, je rentre à l'hosto bientôt car j'ai ulcère l'estomac. Ah merde! Ah ouais, non, mais la douleur doit être insupportable. Oh les boules! Jeudi après-midi, anesthésie. Ok, tu rentres au bloc le lundi. Wouah! 19 août! Ah, tu dois te. Oh la vache! Tu vas vivre 3 semaines avec la douleur? Oh les boules! Eh ben, courage Valérie, je sais pas quoi te dire d'autre, c'est terrible ce que tu me décris. Oh mazette! Ouais, bah ouais. La coloscopie, là. La coloscopie, la goloscopie. Oui, courage avec ça. Aïe aïe aïe. Le capot. Ouais, c'est l'horreur. Oh la vache. Comment je peux changer l'arrière? Je me souvenais plus qu'il y avait. Oh! Je la fais en décapotable. Comment que je me la pète? Waouh! Non, c'est débile. C'est un mauvais choix là que je viens de faire. Ça va pas avec l'ensemble de la tuture. Ah ouais. Décalcomanie. Ah oui, carrément là où il y a le. Oh la vache. Écho. Cool. Waouh. Ouais, non, là c'est bizarre comme. C'est la décalcomanie qui est pas logique. Ou alors subtilement, tu essaies de jouer sur les couleurs comme ça. Moi, je t'avoue que j'ai pas. Personnaliser de tuture, c'est ça? Ouais, j'ai tout fait comme voilà, comme avant. Ok. Je reste comme ça. Ouais. Ah, mais je suis un idiot! J'ai pas vu qu'il y avait un ascenseur, que j'avais encore moult choix en bas. Oh la vache, j'avais une liste déroulante. Eh, c'est pas mal ça, j'aime bien. Ça me plaît. Bah oui, t'es faiblard et fatigué, bah oui. Ouais, t'as du mal à manger. Oh là là. Eh, c'est limite s'il faudrait pas que ce soit sous perfusion, hein, Valérie. Mais bon, ça, il faut que tu vois avec ton médecin. Par contre, je me demande si Oui. les gens m'entendent. Je suis pas sûr que les gens m'entendent parce que je vois pas le, Ah, la je vois jauge bougeait de son. la jauge bouger. Ouais. Ouais. Faut que j'attende que quelqu'un se connecte et puis Ouais, te me fasse dise. la remarque. Ouais. Ouais. Eh, pas mal! Je suis en train de personnaliser la bagnole. J'aime bien. Waouh! Attends. La couleur intérieure. Dans les paramètres, il y a peut-être un truc que j'ai pas dû faire. Stylé. Micro.
Alors, micro monitoring désactivé. Enfin, si je l'active, on va forcément m'entendre. Métal. Ça va Test. loin. Test. Ah ouais, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Exact. Suis en train de personnaliser la bagnole, mais à l'extrême, quoi. Ouah, je peux me mettre un néon. Comme dans Need for Speed. Ça va éclairer en violet la couleur des Sens. On va se la péter. Je veux essayer la tuture. Ah bah voilà. Voilà. Vous vous souvenez de la voiture du début et maintenant ce qu'elle est. C'est extraordinaire quand même. Ah ouais, non mais là je me la pète là. C'est génial. Ma bagnole est trop stylée. Ha ha ha! Ah oui alors. Et si je sors? Ah oui, elle met le masque. C'est très con. Alors Valérie, tu dis, j'ai déjà fait un malaise samedi dernier en rentrant avec les parents, obligé d'appeler les pompiers, resté une nuit sous perfusion, ressorti le lendemain après-midi. Ouais, comme quoi ça déconne zéro. Ouais, c'est épuisant. Oh la vache. En même temps, il faut savoir se consoler. Alors je sais que c'est dur quand t'es dans le mal. Mais se consoler, Valérie, tu sais, se dire qu'on a la chance quand même de vivre dans un pays où on a le niveau technologique et de science qui est élevé. Bon, après, il y a le débat de se dire accessible à tous, sous conditions. Diverses conditions, mais. Oh, la pluie, je me souvenais pas l'avoir vue comme ça dans le jeu. Oh, c'est trop bizarre. Et on a quand même un niveau de confort certain, mais ouais, dur. Courage, courage, Valérie. Papa, 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 papa. Je suis en train de penser. Parce que du coup, t'es quasiment cloué au lit, Valérie. C'est-à-dire que tu. Là, pour tes loisirs, tu consommes beaucoup de Twitch, je me trompe pas. Histoire de tuer le temps, oui, voilà, tu. Il faudrait. Alors, dans la journée, je te fais la promesse de te contacter dans la journée. Est-ce que tu as l'habitude. Enfin, l'habitude. Est-ce que tu peux avoir le réflexe de regarder tes messages privés en Twitch, Valérie? Ouais, t'as pas pu jouer pendant un mois. Bah oui, t'es tellement faiblarde que t'as l'envie, mais t'as pas la force. Ouais, à Marble. Ouais. Bah, je te confesserai que le Marble, depuis 6 mois, je fais plus les bibilles. Parce que j'ai quasiment plus personne qui vient jouer, donc j'ai arrêté. Tiens, c'est bizarre l'aspect de la bagnole. On dirait qu'elle est dessinée façon bande dessinée à la. XXX, je sais pas quoi. Waouh! Mais comment qu'il se la pète, le monsieur? Oh yeah! Ce jeu est trop drôle. Oh là là! Mamie qui se rappelle ses souvenirs de jeunesse, c'est beau. Bon cousin, t'as rejoint la partie ou pas? Je ne sais plus. Ah Ah oui, oui! mais j'attends pour une mission. Ah pardon, excuse-moi. Parce que je lui tire avec tes problèmes de micro, mais du coup je fais. Eh oh! Non mais ça part! Eh non mais. Elle aurait pu attendre que je sais plus ce que je vois. Bref, Valérie, pour te dire, je t'enverrai un lien qui pourrait t'intéresser dans la journée en sous forme de message sous Twitch. Je pense que c'est un truc qui pourra t'aider à changer les idées. Alors, blocage réussi 0 de 3. Ah Oh ouais, faut dégommer les ennemis en rouge. non! Oh, je me mange un arbre depuis tout à l'heure. Oh la vache. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop de deux hélicoptères. Ça va, t'arrives à les voir derrière? Moi, j'essaie de voir devant. Oui, alors je suis comme toi. La végétation avec l'arbre.
J'arrive pas à dégommer l'ennemi. Il y a deux gars, je sais pas où ils sont. Ah non. Et plus. C'est pas évident hein, de dégommer à bord d'un aéronef. Oh la vache, oui, je vois que tu tires à outrance. Ah oui, je suis au-dessus de toi, cousin. Ah, il y a du monde derrière la bagnole. Qu'est-ce qu'il faut dans le parking? Alors, il y a les 16 qui préparent un coup, mais... Merde, j'ai loupé le... Ah, j'ai pas le bon angle. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils sont... Ils sont en hélico aussi, hein. Ah d'accord. Oh le bordel. Waouh. Comment que l'ennemi gicle. Bonjour Fanfan. Ah yep. Il y a du monde qui arrive. Ouah la limousine. Le boxon. Ouah. Oui il est là mais je le vois pas. Voilà. Ouah. Comment t'es rentré dans ma ligne de mire cousin. C'est hallucinant. Dragon Sky, Dragon de Lorraine. Oh purée de Dieu. Ah, je me suis mis dans une... C'était quoi le bug là? Ouais, oui, le trou du cul. Pardon. Bonjour Dragon, j'espère que tu vas bien. Mais du coup, tu nous fais coucou depuis ton lieu de vacances, Dragon. Parce que je sais que normalement, ce début de mois d'août, tu dois t'exiler en Belgique, une fouée. Ouais, c'est ça, t'es en Belgique. Bah, j'espère que tu profites bien. Ah, ma catégorie n'est pas bonne. Moi, je suis dans quoi? Ah, tu as raison, ah, oui. Je suis dans du chatting, moi aussi, d'ailleurs. Ah, je suis resté dans ce que nous sommes. Ouais, exact. Ouais. Bon, je vais mettre... Oui, tu as raison, je vais faire pareil. Je vais changer ça vite fait. Moi aussi, j'ai zappé de changer de catégorie. Je suis parti de Lorraine depuis 4h du matin. Je suis pas encore arrivé à Bruxelles. Ah d'accord, ok, t'es sur la route. Alors attendez-vous. De déclarer... bavard, et puis du coup, pour moi, c'est tellement du just chatting. Alors, sense room. Attends, j'ai mis quoi, là? Hop. T'es à proximité de Paris. D'accord. Oh la vache, tu fais en... Ok, oui, enfin c'est les transports. En même temps, peut-être que tu, au niveau de ton trajet Dragon, tu contournes des routes qui ont été condamnées par rapport aux orages. Parce que là, j'ai vu un article, moi, dans ma presse locale, en Lorraine. Il y a eu un orage hier. Alors moi, il a été plutôt agréable. Il était latent pendant 3-4 heures au-dessus de Nancy. Et ça a bien rafraîchi, ça a mis pas mal de flotte. Mais dans la Cambrousse Lorraine, dans certains bourgs de ruraux, ils ont perdu... Enfin, ils ont perdu. Il y a 4 nationales ou départementales qui ont été coupées. Il y a trop de flotte, trop de débris, d'arbres ou le bazar. On a même eu le cas en Lorraine, pour vous dire, d'une citerne à gaz qui a été décollée de son emplacement parce qu'il y a un trop plein d'eau. Elle a été emportée, elle est allée se fracasser je sais pas où, elle a explosé. Alors heureusement, il n'y a pas de blessés, mais il y a eu un départ d'incendie, comme le gaz s'est embrasé au moment du choc. Et ça a dû faire un peu chaos. Alors, je sais pas si j'ai la version remaster du jeu. Non, en dessous, normalement, t'as simplement marqué The Third. Ah, alors, merci de me le dire. Je vais corriger l'erreur.
Ah oui, exact. J'ai une fenêtre tellement petite de... En fait, quand je fais défiler l'ascenseur, la liste des jeux à déclarer sur mon OBS, en fait, je peux voir que deux propositions. Alors, quand il y en a 50, je vous dis pas pour faire tout défiler, c'est juste l'enfer. Alors, on y croit. Attendez, je vais revenir au jeu. Non, vous devriez. Petit déj vers 8h du matin. Ah, sympa! J'ai plus Ah, je fais des bêtises. Oui, on peut sauvegarder la partie. Et je te rejoins, cousin, pour la mission de dégommage aérien. Oh là là, il y a une bagnole là-bas. Voilà, attends, il y a des tours suivants. Pas évident. Où est-ce que j'ai vu une autre bagnole? Ah, là-bas. Je n'arrive pas à la déconner. C'est ça. Ah, pas mal, comment qu'il nous esquive? Comment qu'il est passé sur le trottoir, l'autre? Ah, il y en a une autre devant. C'est pas facile. C'est pas du tout évident. Ah, il y a quelque chose C'est les derrière. contrôles de l'hélicoptère qui sont un peu pénibles. Ah. Pas préconfigurer tes touches. Ah oui, c'est pas du tout instinctif, oui, tu m'étonnes. Mais même en ayant de la chance d'avoir les bonnes touches à ce niveau-là, je reconnais que l'aéronef pour le maîtriser. Non, puis il y a le décalage de visée, quoi. Là où tu penses tirer, et puis finalement, avec ton mouvement, tu provoques un décalage du tir. Faut que tu t'adaptes à chaud. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oui, vas-y, parce que je l'ai pas là, j'ai l'immeuble. Ah. Ah, apparemment elle a réussi. Ah bon. Oui, c'est pas grave s'il y a du retard, fun fact pour l'épisode commenté ce soir. T'en fais pas, on est baba cool. Tranquille. En plus, normalement, je devrais pas avoir d'orage moi, puisque j'ai eu le mien donc hier. Donc, baba cool, fun fan. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, trouve Kinsey dans le menu téléphone. Ah, Kinsey, qui on peut appeler à la rescousse. D'accord. Ah oui! Mais on va se calmer là, madame. Ah ouais. C'est extraordinaire. Tu l'électrises. Oh le fou. Oula, y a un bug. I mean, I guess. Enjoying yourself? Ouf. Ok, tu vas à la mission en marche arrière. C'est pas comme s'il y avait trois bornes, mais pourquoi pas? C'est un style. Je crois que c'est un peu rapide, hein. Alors, prévision, temps d'arrivée à Bruxelles vers 11h, finalement ce sera 15 à 16h. Non, mais je pense qu'ils ont dû, tu sais, Dragon, ils ont dû réimproviser l'itinéraire. Ouf! Oh, la bétonnière! Cette violence routière, c'est incroyable. Ouais, tu vois, marche avant, je suis pas sûr que ça aille plus vite, hein. C'est pas faux.
Mais au moins, c'est un peu quand même. Nous sommes à bord d'un véhicule robuste. Alors, Fanfan me donne des détails du comment, du pourquoi. Je risque de te faire attendre un peu plus parce que pour des raisons perso, je pourrais commencer mon direct un peu plus tard. Il faut qu'aujourd'hui je termine mon contenu de Mass Effect. J'espère que ça va pas te déranger. Non, ça me dérange pas du tout. Non, il n'y a pas de souci. Faut juste que l'épisode commenté, si tu veux, éviter de le finir à minuit, tu vois. Enfin, au-delà de minuit, on va dire. Et encore honnêtement, on a de la marche, Fanfan. Mais oui, non, mais t'en fais pas, Zen. Oui, c'est vrai que le Mass Effect, c'est tellement littéraire et il peut y avoir pas mal d'action que oui, je comprends que ça te tienne en haleine un paquet d'heures. Mais c'est ce qui fait le charme du jeu, en fait. Ok. D'accord, d'accord. Non, mais c'est très bien, il n'y a pas de souci. C'est bien, on va se faire une soirée peinarde d'épisode commenté. Attends, je vois une animation bizarre sur le... Ah oui, il y a bien un truc qui bouge sur le véhicule. Et t'as dit passer. Ah bon, il y avait quelque chose qui bougeait au vent. Et espèce d'embout de gros tuyaux là. Et ça faisait un peu chambre à air ce qu'il avait sur son véhicule. Mais j'ai eu un doute. J'ai dit, mais c'est un bug ou il y a un truc que j'ai mal observé. Mais non. Ça fait partie intégrante du véhicule. Alors j'ai commencé le contenu additionnel. Si je dis que je reporte à demain, il y en a qui vont faire la tronche. Oui, bah oui. Oui, non, fais-le paisiblement. Surtout si tu peux toi aussi de ton côté éviter les orages, Fanfan. Parce que la Provence, j'ai l'impression que t'as frôlé la correctionnelle hier. Comme je regarde l'évolution des orages sur tout le territoire. Et c'est du côté de, je crois que de Montpellier. Coucou. Ils se sont pris, mais alors des orages de fou. Ah, il est Disney. Coucou, tu une scène. Il est au pays de Mickey Mouse. C'est là justement où je serais bien allé parce qu'apparemment, il y a beaucoup de monde qui disent que depuis les JO, tout le monde a déserté Disney. Ah. Et du coup, bah oui, t'attends quasiment pas aux attractions. Quoi. Ah, bah bien, très bonne stratégie de Tune Scène qui m'en avait parlé. Attends, on est en train de se faire. Ah, mais c'est les filles. Je sais même pas d'où viennent les tirs. De tout le monde. Mais oui, ils sont fous. Hein. Mais non, mais la police, calmez-vous. Oh, il y a un hélicoptère. Attendez, pardon, je vais vous lire dans le chat après parce que là, je voyais ma scène d'action dans le jeu est terrible. Ah non, mais qu'il aille mourir, mais. Le dealer se fait attaquer, tu m'étonnes. Vu le boxon, tout le monde se fait attaquer. Bon, j'ai pas la bonne arme. Il faut que je le dégomme à la lunette, le gars. Pourquoi j'ai plus de fusil à lunette, moi? Ah. Attends. Eh ben dis donc. Ils vont se calmer. Bande de fous. Bah alors, viens. Viens avec moi au point de rassemblement. D'accord, le point de rassemblement. L'objectif. D'accord. Bah alors. Attends, j'essaie d'embarquer notre cher distributeur de poudre blanche. C'est une honte. Ah. Mais faut-il encore que j'y arrive. Ah merde. Du coup, j'ai cru qu'il me suivait, mais non, il me suivait pas. Alors attends, là je suis dans la mouise. Il est encore avec toi alors. Ouais, je suis dans la mouise à cause de la disposition du terrain dans le quartier. Attends, je vais essayer de choper une voiture et puis... Non, rien. Rien du tout parce que je me suis fait buter comme un caca. Voilà. Là, je peux me barrer dans le quartier. On va y arriver. C'est qui, lui? Mais il est fou, le gros colosse. Attends, affaire conclue. C'est bon?
Bah, ah. Je suis sur la route. Ah, c'était moi. Putain, la vache. Oula, vous êtes super agité dans le... Ah oui, non, oui, vous jouez dans le chat. Je me disais, je vois le chat d'un coup d'œil défilé, un truc de ma boule. J'aime pas du tout l'hélicoptère qui essaye de me dégommer. Merde. Ah. Attends, faut que je me débarrasse du... Ah, c'est contre le... Oh là 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 là. Attends, la madame... Hop là, elle va me servir de bouclier humain. Oh ! Bah ça va, tranquille, cousin. Comment que t'as déboîté tout le monde ? Bon, l'hélicoptère, il est trop dangereux, là. Il faut que je le... Je vais vider mon chargeur. Voilà. Ah, il est prêt à conduire ? Sérieux ? Où est-ce qu'il est ? Ah oui, il est là ! Non, à se faire conduire, nuance. La différence est d'importance. Alors, génial, ils m'ont crevé une roue. Ça va pas m'aider. Il faut aller où ? Alors, je suis. Ah non, il fallait dégommer les Gugus. Il a une envie de vengeance. Oui, j'ai un pneu, je roule sur la jambe. Tout va bien. Mais quoi, il faut détruire ce véhicule, c'est ça? Voilà. Oula, ça brûle. Alors attends, affaire conclue, je vais refaire un demi-tour dans le quartier si j'y parviens. Je suis sur les jambes, j'ai plus de pneus. C'est merveilleux. Oh, on s'est... Oh, attention cousin, elle va exploser. Adieu cousin. J'ai pas le temps de... Alors t'es en PLS, merde, attends, t'es où? Bah, attends, je te vois même plus. Ah, tu es là. Ouais. Bon, allez, faut aller chercher l'autre. Faut aller chercher le dernier. L'hélicoptère, mais il me les brise, l'hélicoptère, il m'en fout. Non, mais l'hélicoptère, faut qu'il meure, c'est pas possible. Je peux pas continuer la mission si j'ai l'hélicoptère dans les pattes. Merci. Alors, la suite. On va peut-être changer de véhicule, de coup. Non, mais la madame, elle va se calmer, oui. Allez, danse. est-ce que je peux faire appel à un véhicule? Non, je me mets à danser. Comment qu'elle bouge des boules? Non, attends, comment je fais pour faire usage du téléphone? Je sais plus. C'est comme ça. Est-ce que je peux... commander, bah déjà j'ai de la thune, commander le véhicule, je sais plus comment on fait. Ah non, j'ai pas le droit, d'accord, j'ai pas le droit, c'est parce que je suis en mission. Bah oh, je me suis bêtement fait écraser. Je vois ça. Je me suis bêtement fait écraser. Attends, j'arrive. Où es-tu? Là. Attends, je te vois même plus. Là, au milieu de l'arène? Attends, mais il y a trop de monde là. Pourquoi je te vois pas? Ah, tu es là-bas! Alors, ça a marché? Parce que j'ai un bug. Ah oui, ça a marché. J'avais une tremblotte d'enfer. Attends, passe-moi votre bagnole, vous, Pascal. J'ai plus de véhicule et ça va pas. Moi voilà. J'y vais tranquillement. Okay. C'est bien. Attends, j'écrase un peu le monde, c'est immonde. Mais au moins j'ai un peu la paix. Alors, je vais faire le tour du pâté de maison. Alors, vous m'avez écrit quoi? Oui, tiens-moi au courant, Valérie. Ouais. Et je te contacte tout à l'heure, promis. Twinson. Oui, c'est votre discussion entre vous. Ah merde, mais je confonds le point d'extraction et... Ah, ouais. Ah bah si, c'est bon, tu le ramènes. Oui, il arrive. Ah ouais, bah je souris la zone. Ça
C'est la première fois que je vois deux fois, il faut réessayer. Ouais. Oh, puis il y a l'hélicoptère. Alors attends. Ah oui, il faut le mettre là, d'accord. Ah, qui c'est qui m'a écrasé? Ah merde, c'est les petits. Oui. Oh! Comment qu'il m'a dégagé? Oh, le brigand! Mais alors lui, il peut aller mourir. De toute façon, ça va exploser. Oui, non, puis attends, j'ai l'hélicoptère qui me rend fou là. À nouveau. Ah 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 ah! Attends, que j'arrive à tirer mon réservoir d'essence de l'hélicoptère. Il doit être par en dessous, derrière là. Bah, elle peut pas exploser la voiture. Bon. Merci. Ah, je me sens mieux quand il y a un hélicoptère en moi. Allez, zou. Mais rentre dans la voiture, Nunuche. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi tu rentres pas dans la tuture? Non, il y a un problème là. On va changer de bagnole. Non, attends, vu l'état des bagnoles, j'ai peur. Au secours. Ah, merci pour la livraison de tuture, je veux bien. Oh là là, il y a des explosions partout. Bah, tu m'étonnes qu'il se fait attaquer. I love this. Il est en flamme. On va où? On va par là-bas. Tant pis, je fais un gros détour, mais c'est un gros détour nécessaire. Oh, quelle horreur! Le barrage de police, comment que je l'ai fait sauter? J'ai géré les monstres. Oh. Oh, comment qu'il a été écrasé l'autre? J'ai la porte de quache. Au! Ah non, il fait chier. Ah oui, il y a Monsieur Saucisse qui veut sa poudre blanche. Quelle horreur. Oh, le bordel! Waouh! Attends, normalement je peux lancer des grenades, je sais plus comment. Comment je lance les grenades, je sais même plus. Et là je balance une grenade, je te dis pas le carnage. C'est pas comme ça? Ah si, c'est comme ça. Voilà. Ah, il faut que je la raccompagne. Ouais, avec ce qui reste de la bagnole. Mais monte à bord, mec. Oh là 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 là, c'est limite s'il prend pas des photos alors qu'on se fait tirer dessus. Alors, toutes ces affaires sont conclues. Il faut le déposer peinard chez lui à son bercail. Comme on dit. Oh! Ah ouais, une boutique que je ne connaissais pas. Comme quoi je ne vais jamais dans ce quartier. C'est par pur hasard que j'ai découvert la boutique. Donc oui, tu es là. C'est bien, au moins t'es sur le point d'arriver, c'est bien, tu couvres l'arrivée. Okay, sounds good. Comment je suis fait éjecter du véhicule. Bon, bah t'as quasiment tout fait tout seul. Ouais, mais tu m'as couvert, t'as distrait le... C'est bien. Alors, question culture, mes fans. Teddy Riner, je crois qu'il avait pris sa retraite, une légende du judo. Non, il a encore remporté une... Ouais, non, il est très fort, Teddy Riner. Il est dans la légende, à coup sûr. Il fait même plus fort que notre ancien judoka, qui était David Douillet. Alors, question culturelle, me soumet fan. Est-ce que le terme Ippon est une insulte pour les Japonais? Oui, dans le sens que tu prononces mal délibérément, en fait. Au lieu de dire Nippon, tu dis Heppon. C'est négligent, c'est dit avec... Enfin, pas avec dédain, c'est pas le bon terme, mais... C'est dit avec mépris, en fait. Donc, oui, il faut bien prononcer... Oui, Nippon. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est la prononciation et elle est comme ça. Et enfin, en français, mais en anglais. En anglais. En japonais, tu dis Nippon. Alors, il faut savoir, je le rappelle, qu'en particularité de la langue japonaise, le N est une voyelle en japonais.
C'est très surprenant, mais le N est une voyelle, donc ça faut bien l'appuyer quand tu dois le prononcer en fin de mot. Donc ça donne Nippon ou Nipponé presque. Voilà, voilà, voilà. Au petit matin, tout va bien. Attends, oh le bordel. Ah, oh, les vilains. Attends, ah bah oui, pourquoi je suis à main nue, moi? J'aurais pu le poulper, mais tu l'as... Tu l'as battu. Alors, attends, que je révise ma lunette de... Comme ça. Oh, la violence. Ah, c'est là où je vais pouvoir faire appel au véhicule. Déjà, il y a un peu de monde. Ah ouais, c'est la violence, elle est terrible. Elle est terrible. Alors, véhicule. Je veux me la péter avec ma tuture personnalisée. Personnalisée de tout à l'heure. En début de partie, là, je faisais la... Ah, voilà. Merci, mec. Ah, voilà. Ça, c'est de la bagnole. T'es où, cousin? Que je t'embarque dans The Bagnole. Dans The... Ah, moi, je viens. Oui, je t'ai perdu de vue. Ah, c'est bien, t'as la tienne. Tu vois, moi, je roule en décapotable. Ah oui, toi, t'as carrément pris une oui. Rolls Royce. Tranquille. Tranquille, tranquille. Alors, on va se barrer un peu plus loin, là où on évite les tirs. Oula. Qui c'est qui est sur la route? La madame. Ouf. On va se faire une mission. Non mais ils sont tarés. On est vraiment sur le territoire ennemi là, c'est pas possible. Le gang est déchaîné. Ils nous font des misères. Aïe. Non. Merde, je me disais bien qu'il y allait avoir un truc comme la rivière. Oh. Oups. En même temps, le bateau m'a pris. Ah, toi aussi. Ça va, oui. Elle est fraîche, profite. Attends, le navire, le cargo, là, il m'intrigue. L'énorme péniche dans le canal. Je peux pas monter à bord? Quoi? Ouais. C'est trop bizarre. Oh, pas mal. Je peux faire usage du téléphone dans la flotte. Waouh, il y a plein de missions, c'est énorme. Non. Allez, on va faire Angel. Angel. You have a funny definition of training, Angel. There's a car waiting for you. Head to it. I've already played in traffic, remember? This time, all I want you to do is drive around. Va au début de l'activité. Au début de l'activité. C'est vrai que les rivages, c'est pas évident. Mais ah si, il y a un escalier là-bas. Alors c'est vrai que je pourrais me téléporter, hein, comme vous le voyez dans l'interface de jeu, mais l'idée de faire quelques brasses, vous voyez, je suis pas contre. Surtout que l'animation est super bien faite. L'animation de la flotte, là, des éclats de flotte avec la boussure, trop bien. C'est, ils ont vraiment bien bossé les aspects graphiques. C'est du beau boulot. Merde, j'ai percuté comme un con un flic. Je vais prendre le nouveau véhicule. Le pick-up peut être pratique. Prenons pick-up. C'est ça, ni pont ni chaussure. C'est canot et voiture, moi. Je fonce sur l'objectif en bagnole. Ah, je te vois. Enfin, j'ai ta barre de... Ouais, je t'ai aperçu tout à l'heure aussi. Ouais, ouais. J'aurais pu me la péter en moto aussi. C'est extraordinaire le choix des véhicules. Oh mon dieu. Surtout qu'il y en a des excentriques, c'est génial. Eh, les piétons, arrêtez là, vous êtes trop nombreux, laissez-moi passer. Bon, en même temps, c'est un parc, c'est un peu ma faute.
un petit raccourci improvisé. Bougez-vous, vous. Ah, attends, là, faut que je suive la route parce que... l'affiche qui était en haut, elle était d'un mauvais goût de ce que j'ai cru voir. C'est une honte. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce qu'il y a un goût dans le jeu ? Oui, c'est ça. Non, mais c'était le sinistre... j'ai cru connaître le sinistre célèbre moustachu des années 40, là. Dans une situation très bizarre. Enfin, bon, bref. Tout aura été fait. Oh, mais c'est un bus de... Ah non, c'est pas un bus scolaire. Oh, mais... C'était un bus pénitentiaire. Oh mon Dieu. Alors ça se passe ici. Courage, rage animal. Oh mon Dieu. Mais c'est quoi cette mission de ma boule? Oh, le petit tigre. Oui, bon là, il est pas si petit que ça. Ah! Au secours, il m'a griffé. Ah! Ah! Non mais arrête, il est en train de me dévorer là, je suis au volant, au secours. Mais c'est quoi le délire? Mais arrêtez, au secours! Attends, je me calme. Voilà. Ah, merci. Ouf. On n'a pas des croquettes de facteurs sous la main là, par hasard, parce que... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah! Faut le livrer aux zoos ou c'est moi? Ah! Mais ce trafic de naze, mais barrez-vous! Pour une fois que j'ai pas un tigre dans le moteur, mais à côté de moi, il y a un problème. Ah! Ah! Il m'a crevé un pneu. Non, comment il a fait? Oh yogourt! Ah! Arrête de donner des coups de paluche alors que je suis au volant. Je peux pas tenir la trajectoire du véhicule. Aïe, on a embouti des voitures garées, tout va bien. Je n'ai plus de courage avec ça, moi. Faut calmer sa rage animale. Et le but du jeu, c'est quoi? Parce que là, ça peut durer longtemps. Mais il fout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah! Mais dans quoi je suis embarqué? Au secours! J'ai pas fait exprès, monsieur Tigrou. On va retourner sur l'autoroute, promis, mais calmez-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais c'est la SPA américaine, là, qui essaye de me... Mais arrêtez, vous allez pas embarquer le tigre. Aïe. Ah, vive les grandes avenues, surtout quand elles sont dégagées. Ah. Oh. Bah bien. On fait comment? je crois qu'on est mort. C'est foutu, de toute façon il faut le tigre alors. Oui, c'est un peu... oui. Ah, c'est génial. Ah, c'est tordu, mais c'est drôle. Ah, attends, je profite pour voir un coup. Ah la vache! Mais et vous saurez que quand le tigre me fout un coup de patte dans la tronche, ça me dévide ma trajectoire au niveau du véhicule, ça fait peur. C'est, évidemment, je suis obligé de gagner. Aïe aïe aïe, des coups de volant horribles! C'est horrible! Cette épreuve absolument géniale de concept, mais alors maîtriser, c'est une horreur. Oh là là! Ah! Faut qu'il arrête de me lacérer alors que je suis au volant. C'est une honte. Eh, sinon la bagnole se conduit plutôt bien. Hein. J'apprécie. Faudrait que je prenne les références du modèle. Faudrait que je me prenne un modèle sans tigre. Ouf. Voilà. Non, eh, tu vois, c'est dans ces genres de missions que tu te dis, t'es récompensé si tu connais la ville. Tu as mémorisé les grandes artères et que tu arrives, tu sais, à tourner en rond comme si tu faisais des tours à la Need for Speed là pour une compète. Attends, là il y a un grand boulevard, on va s'engager là-dedans. Alors faut regarder les panneaux.
Steeple Arena. Steeple Arena, oui, je sais pas si c'est un endroit où on va pouvoir tourner en rond. À fond les ballons. Non, non, moi je lui fais des papouilles. Ah, tu peux, tu peux. N'hésite pas à lui faire les puces zélétiques, il va adorer. Ah! Mais non, mais arrête de faire ça alors qu'il y a des piétons et qu'il y a du trafic. Ah! Il est en train de me déboîter l'épaule. Alors, la fameuse arène, elle est là. Non, mais priorité à moi, tu connais? Aïe. À défaut de la droite. Ah non, pour tourner en rond autour du bâtiment, c'est pas top. Parce que c'est, ils ont pas dessiné un rond, mais un je sais pas quoi. Je prends le risque d'aller dans le... Au niveau de la centrale nucléaire. Bon, attention, mais il est... Oh, il sait pas tenir sa trajectoire. Ah, le camion. Le jaune. Alors, c'est bizarre, on indique la voie jaune, mais on me dit pas ce que c'est. Ah si, c'est la... C'est la centrale. Ah, c'est là d'où vient le jus dans toute la ville. Syndicate Tower. Mais pourquoi ils gardent les pastilles de même couleur pour des lieux différents? C'est... Là, on m'avait proposé la centrale nucléaire, maintenant on me propose une gratte-ciel. C'est bizarre comme logique de... On va dire d'organisation, d'urbanisation. Ça se passe plutôt bien pour le moment, pourvu que c'est dur. Bon, n'hésite pas à mémoriser les endroits que tu préfères dans la ville, cousin, là, parce qu'on visite du pays, hein, je te le dis, moi. Vu le nombre de bornes qu'on fait. Wouh! Ah! Ya là 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 là! C'est gentil, le tigre, gentil. Ouf! La 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 la. Alors, des pastilles en rouge qui indiquent... J'y comprends rien. C'est le même lieu, mais maintenant la pastille passe du jaune au rouge. C'est quoi cette logique délirante? S'il y en a une. S'il y en a une. Oui, ouais, ça me perturbe plus que autre chose. Ah ça, pour esquiver, j'ai esquivé pas mal de monde. Alors je m'efforce de... Ah, c'est quoi ce virage? Mais vraiment, ta voiture a fusionné avec un capot. Oh. Et du coup, t'as l'impression que le lion est sectionné en deux par un capot. Ah bon? Hmm? Parce que moi, je le vois normalement, mais oui, si toi, t'as un rendu différent de toi. Ah, c'est, il est parti. Non, mais là, en même temps, j'ai eu une collision d'enfer. J'essaie de rester donc sur les grandes avenues. Pas la balayeuse, non, secours! Alors on arrive à calmer le tigrou, mais on n'est pas tiré d'affaire pour autant. Pourquoi? Mais pourquoi il me fait dévier sur la gauche? Il est fou, lui. On est sur les voies contraires. Allez, bougez-vous de là. Non! 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 Comment que la grand-mère s'est retrouvée sur... Enfin, la madame. Bon, bah c'est foutu. Mais j'ai pas tout compris, tu vois. Bon, alors, t'arrives bien à calmer l'animal, mais ce que je comprends pas, c'est le coup du courage, comment on obtient. Il faut que je fasse usage de nitro et je sais pas comment on fait, ou c'est moi? Je sais pas. C'est bizarre. Ah, ah oui, pardon, j'ai pas répondu à Dragon. Non, j'ai pas regardé Teddy Riner ni Marchand, Léon Marchand, là, qui a... Alors, j'ai vu dans la presse le tweet du président, évidemment, qui surfe sur les succès français, là. Il paraît même qu'on a eu un trio en BMX. Ça fait bizarre, une compète internationale, de voir le podium totalement français. On a raté toutes les médailles. Non, mais c'est la folie, quoi. Ouais. C'est, histoire de pas vexer du tout le reste du monde. On a remporté toutes les médailles. Mais non, j'ai moi, je l'ai vécu en direct. Je l'ai vécu en direct au McDo hier. Ah d'accord. Ils étaient tous devant la télé du McDo et à un moment donné, on a entendu crier, applaudir. Je crois que c'était le marchand qui venait de gagner. Puis peu de temps après, il y a dû avoir le Teddy Riner. Alors évidemment, des athlètes, tous des beaux gosses.
le monsieur Marchand là, j'ai vu donc. Ah non, je trouve qu'il a une tête de... Ah non, moi je trouve qu'il a une tête de con, le Marchand. Ah bon? Ah oui. Ah, il a... Bah après, c'est un gamin, hein. Il a plus de 20 ans de moins que moi, donc moi, pour moi c'est un gamin. Il a plus de 20 ans de moins que moi. J'ai vu comment tu viens de le dire. Excellent. Il a une tête de con, quoi. Enfin, tu vois, il a une tête d'ado. Ah, oh. Non, je trouve qu'il était vachement bien sculpté. Bah, de visage, il me fait un peu penser au ténébreux vampire dans... Décidément, j'ai que cette référence en tête. Dans Night Trap, là, le fameux jeu des années 90 avec la regrettée Dana Plato. Et c'est fou comme il me fait penser au jeune vampire dans l'histoire. Je sais pas, il a un aspect ténébreux, mais... Que je sache, en général, l'agence. L'agente féminine en est folle. C'est vrai que ça a son charme, mais oui, bon, si tu dis que toi tu l'aimes pas du tout, qu'il a une sale tronche. Enfin bon, bref, bravo à lui pour votre talent. Il n'en revient pas après. Chacun ses goûts. Oui, c'est ça, tous les goûts sont dans la nature. Mais putain, on dirait un bâtiment russe. Ah non, c'est une cathédrale. Ça va être trop bizarre. Attends, mais j'ai dû louper une touche. Il doit y avoir une touche de boost, je sais pas quoi, pour avoir du courage. Et réussir la mission. Il y a un truc qui m'échappe dans l'interface. Moi, c'est le courage. Je comprends pas comment le courage peut être. Oh, tu l'as vu sur le trottoir, le mec, il était déguisé en matou géant. Non, parce qu'en fait, comme j'ai la vue pour gratouiller le tigre. Oui, tu vois rien d'autre. Voilà, je vois rien d'autre. Attends, là, je me... Oui. Il y a trop de trafic et je m'engage dans des petites rues, donc c'est la mort. Il faut que je revienne absolument dans les grandes avenues. Les grandes avenues. Non, barrez-vous, les... je sais pas, là, c'est la fourrière SPA, là. Non, barrez-vous. Ah, le tigre, il est à nous. Alors, attends. Est-ce que j'ai pas une touche? Non, c'est pas ça. Non, mais vire-moi le téléphone. Au secours, on est au ralenti, c'est pas normal. Remarque, j'ai vu que je pouvais honteusement être vénal et récupérer l'argent. Ah oui, non. Aïe, merde, faut que j'arrête mes âneries, c'est drôle. Non, mais on est cerné par des vannes, mais arrêtez. Mais non, mais c'est un scandale. Alors que je me fais tendrement déchirer. Aïe. Non, arrête, au secours, je vais mettre des coups de volant, il faut pas. Ouf. Ouah, comment j'ai soulevé la bagnole. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que cette voirie, cet urbanisme. Alors, je tourne en carré, à défaut de tourner en rond. Ah. Alors, est-ce que j'ai pas une touche de boost ou je sais pas quoi? Je pense qu'il faille que je doive réviser les touches. Je vais à Los Angeles. J'ai pas un turbo ou je sais pas quoi. Ah, j'ai plus le nom de la ville là, c'est peut-être bien Los Angeles. Los Angeles. C'est l'enfer là que je suis en train de vivre. Dur. Non mais il y a une touche qui m'échappe. Alors attends, je sais pas si je peux faire pause en pleine mission pour réviser mes touches. Mais je pense qu'il y a, tu sais, je pense qu'il y a de la nitro et j'ai pas la touche de commande. Ouais, j'ai pas souvenir qu'il y a la nitro dans le jeu. Nitro. Ah ouais. Nitro, c'est le O. Ouais, je suis pas convaincu, mais. Ça paraît logique. Ouais. Nitro, lettre O. Ça aurait été la nitra, ça aurait été la lettre A, mais. C'est ça, exactement. Attends, je ne comprends plus la logique. Alors déjà, la rage animale, on va la calmer en faisant un 200 km/h sur les abus. Ouais.
Non, non, le terre-plein, je le voyais venir à cause de l'idiotie du tigre. Alors, le haut en même temps et je fais de la nitro, mais j'ai pas de nitro sur le sur ce véhicule. Alors qu'on finit encore dans le terre-plein à cause du tigre et du trafic. Attends, c'est trop bizarre. Ah, régulateur de vitesse, bas. Ok. Oh, j'ai plus de capot. Attention à pas détruire la bagnole. Non, ça c'est le téléphone, on s'en moque. Ah bah le capot a encore fusionné avec la voiture. Oh. Allez, bougez-vous les gens. Alors là, je t'avouerai que je suis un peu perdu pour cette mission que je ne comprends pas. Ah! Mais il y a un point où tu dois aller? Non, 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 il faut juste que je roule à fond les ballons. Mais j'arrive pas à déclencher la nitro, ou alors j'ai pas la bonne touche. Attends, je vais re-zapper les touches, faire la changer de touche pour la nitro, parce que c'est pas clair. C'est pas du tout clair. Est-ce que je peux dire barre d'espace, par exemple? Il y a un conflit, donc il veut pas. Il faut que je prenne une autre touche. Si je prends... Voilà, ok. Échappe retour. Moi, je veux bien faire ça. On va essayer comme ça. Attendez, excusez-moi de la cassure de rythme, mais oh là 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 là, ce tigre de fou. Donc, si je fais, oh, le panneau est merveilleux. Oh, le panneau est superbe. Le panneau s'est dissous tellement qu'il était dangereux. Mais non. Allez, fais ta marche arrière. Non, même pas lui. Il a décidé d'avancer. Alors, attendez, je me retrouve dans une situation folle. Il va se calmer, le tigre. Décidément, j'embarque plein de panneaux. Hein. Mais non, mais j'ai pas de nitro. Je vois pas comment. Je comprends pas la mission. Je peux pas aller plus vite. C'est quoi le délire? Et effectivement, j'ai pas de cible à joindre dans le radar. Donc je suis libre d'aller où je veux. Encore, j'aurais un compte à rebours du genre tenez 8 minutes pleine balle, je comprendrais. Mais là, j'ai l'impression d'être à bord d'une mission buggée. On doit faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Même toi, cousin, de ton côté, à part calmer le tigre, t'as pas une instruction qui te serait échappée? Non, parce qu'en fait, j'ai uniquement une vue sur la voiture avec le tigre. D'accord. Et une interface pour calmer la rage animale. Okay. Mais c'est tout. Parce que moi, j'ai une jauge de courage, mais elle est toujours à zéro. Donc, qu'est-ce que le courage, c'est sous-entendu, là, dans... Il faut rouler à contresens pour faire quoi Faut exploser du monde en balançant les deux grenades qui me restent. Attends, est-ce que je peux conduire et tirer en même temps? Non, j'ai pas le droit. Bah non, le tigre me rend fou. Je peux pas tirer. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors attends, je vais être fou, je vais prendre un contresens, mais ça va être pire. Non, le courage, la jauge de courage n'augmente pas. Donc c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu parles qu'il a les crocs, le tigre. Il aura visité toute la ville. Qu'est-ce que... Ah non, ça va recommencer l'échec de retourner comme une crêpe. Mais non, mais... Oh là 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 là. Cet aménagement de territoire de fou. Non, mais laisse tomber, c'est pas grave. Hein, si la mission. Bah, elle est très très bizarre. Elle est très très bizarre cette mission. Elle est pas claire en fait.
Je pense que notre tort, c'est de pas avoir pu, mais c'est mission impossible quand t'es en direct Twitch. Voilà. Oh, bon, on a du bol. C'est de suivre les dialogues, en fait, entre les PNJ. Enfin, le dialogue de la narration. Elle va bientôt exploser. Hein. Ouais, vu son état, mais je serais allé jusqu'au bout. Ah, il y avait un mec à photo, mais non, je pouvais rien faire. Enfin, c'était désactivé dans le radar. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pardon, mais je pense avoir battu le record de la durée de virée avec un tigrou à bord. Là, on en aura fait des kilomètres. Hop, je repars ailleurs dans la ville. Bonjour, Ange de Lumière, comment que ça va? Ouf, comment qu'on a fermé la portière? Salut, Ange de Lumière. Si un j'ai des lumières, didou. C'est sur l'air de éliminer l'image. J'ai besoin de toi. C'est ça. Ah, lol, un site me demande de faire un kappa parce que ça fait cliquer à une vitesse surhumaine. Mon dieu. Ah, la voiture, il va flamber là, à force de se prendre des collisions. Ça va tranquille. Alors, on peut dire Dark Souls 2. Ou vache. Ah, ouais, non, mais les Dark Souls, j'ai compris que c'était des jeux d'acharnés. Wow, l'état de la bagnole! C'est la première fois que je vois le coffre ouvert. Il n'y a plus de coffre, ouais. Ouf. Ah non, je voulais aller dans la bonne voie, pas en face, mais le tigre et la bagnole m'ont interdit. Elle répond. Ah, parce que le tigre influence la trajectoire? Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut surtout pas que le tigrou me donne des papouilles ou des coups de griffe ou des coups de gueule. Parce que tout de suite, ma direction se retrouve faussée. Ah merde. Bah oui, je me cramponne au volant. Alors si je sens la délicatesse d'une griffe ou d'un croc qui me rentre dans la chair alors que t'es au volant, crois-moi que ta trajectoire, tu vas pas la respecter. Allez, voilà. Tu vois, je rectifie au possible. Fais péter. Oui, c'est dur, Dark Souls. Bien sûr, Ange de Lumière, c'est vraiment un jeu d'acharné. Bon, on va quitter l'activité parce que je suis désolé, je ne la comprends pas. Ça aussi, je ne le comprends pas. J'ai un petit bug. J'ai apparu sous le bitume, ce qui fait que, tu vois, je tombe dans le vide. Mais c'est magique. Okay, je te vois pas. Alors, comment repérer la ville? Oh, t'es loin. J'ai l'impression que t'es à l'autre bout de la ville. Tiens, il y a un mort là. Ah, mais c'est toi. Ouais. Bah. J'ai un bug de fou. Alors, comment se déplacer ultra rapidement dans la ville? Faites en sorte de glisser sous le décor, sous le bitume. Ouvrez le parachute et vous pouvez vous téléporter à n'importe quel endroit de la ville. Normalement, je devrais avoir un nouveau point de réapparition là, quand j'aurai touché le super fond. C'est spécial. Là, si les ennemis parviennent à m'atteindre, ils sont très forts. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Extraordinaire ce qui vient de se produire. Oh, le palace Poséidon, il est beau. J'aime bien l'aventure avec les sirènes. Qui sont stylées et pas vulgaires. Posées sur le trident dollar de... Oh mon dieu. J'ai trop de symboles du biche à la fois. Non, je vais me commander une bagnole. Qui a le culot de me tirer dessus? Mais c'est lui, mais je vais me le faire à la main. Allez, de la boxe! C'est les JO! Bah, pourquoi je peux pas... Alors lui, il me boxe, c'est pas moi?
C'est quoi le délire? Ah, parce que je suis au flingue, pardon. Le flingue m'a été imposé, j'ai pas compris. Attends, qui me tire dessus? Ah, les forces de l'ordre. Qui deviennent les forces du désordre, vu la manière dont elles possèdent. Ah oui, on... Merde, attends. Quand t'as J du monde... Alors, t'as bien fait de choisir la mission, cousin. Oh! Oh, l'accident! Mais quelle horreur! Ce que je viens de voir est atroce. Oh. You'd be surprised. It's a big surprise. Oula, on est à 3 bandes de l'objectif. Eh ben dis donc, avec la bagnole pétée. Bah non, moi je suis à 300 mètres. Ah bah t'as du bol, moi je suis à 3 bornes. Tu as du bol. Non mais moi c'est à cause de mon bug de tout à l'heure là où je suis parachuté sous la ville. Et du coup pour me téléporter d'un patelin à l'autre, ça a été... Enfin d'un patelin, d'un quartier à l'autre. Oh, comment que je viens d'engloutir la balayeuse. C'est la folie. Là, il fait quoi avec mon déménagement? Wouah! Alors il y a un morceau de carlingue de bagnole qui a giclé. Je pourrais même pas te dire quelle partie c'était. Parce que c'était tellement de la tôle froissée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as atteint le point? Bah oui, j'étais à 300 mètres. Bravo, c'est bien. Oh! Quoi? Amuse tes clients, conduit dans la ville et tient les paparazzis à distance. D'accord. Allez Miss Punk, accroche-toi à la portière parce que j'ai démarré. Je comprenais pas. D'accord. La 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 la. Ah mais c'est le même genre de mission. Il y a plaisir et image. Oui, alors je préfère plaisir image à je sais plus quoi, adrénaline et coup de griffe, hein. Je me sens déjà mieux. Bonjour Aeroster, comment que ça va? Ah, c'est le héros. C'est le bordel entre cousins. Youhou, on fait du tourisme dans la ville. Ah ah ah, il y a eu du plaisir, je veux même pas savoir comment. Ah! Laissez-moi rouler de toutes les gommes, s'il vous plaît, et être endurant. Je veux faire les 24 heures du jour. Gardez ça pour moi. Ah, il y a trop de trafic. Oh, c'est beau, regardez-moi cette vue. C'est magnifique. Oh là là, jouissance à bord du véhicule, c'est merveilleux. Non, on veut pas savoir. Comment ça, tue la cible? Qui cible? Ah merde, faut que je tue une cible en même temps, mais ils sont fous. Ah non, on va bien, Aeroster, merci. Surtout moi, je t'avouerai que je respire depuis hier soir. J'ai eu un orage latent de 3 heures en moyenne sur ma ville hier après-midi. Il a plu des trombes et des cordes à tel point que j'ai perdu 4 routes dans ma région. Non mais c'est vrai, hein, il y a eu un bulletin dans le journal local. Il y a 4 routes inondées ou bousillées avec des chutes d'arbres. Mais on respire mieux. Bah moi c'était avant-hier, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. Ouais. Où on a eu un énorme orage, limite tempête. Et on a eu beaucoup de dégâts chez moi, des coupures d'électricité, des arbres de tombée. Et c'était la une du journal local. Ouais. Et sinon, toi de ton côté, Aeroster, parce que je crois savoir que tu es du côté du Loir-et-Cher, tu t'en sors avec les orages, t'as pas trop de dégâts ou d'avaries? The question, mon cher Aeroster, parce que mon pauvre, évidemment, j'ai pas été fichu de la semaine de te faire un moindre coucou, pardon. J'aurais pu venir sur ton canal te faire un coucou, et honteusement, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc du coup, je te pose la question. Ah, là où je peux te donner une info que t'as peut-être pas, Aeroster.
Il y a Mélissa Japon, adorable comme elle est, qui est venue me faire un coucou dans la semaine. Là. Et elle va bien, elle profite de ses vacances. Elle s'éclate en famille dans la Creuse. Elle a l'air de se porter à merveille, Mélissa, ça faisait plaisir à lire. Ouais, ça va bien, on a été assez épargnés en vrai. Ah, oh, c'est cool. Et ma cible, elle est à deux bords d'ennemis. Pour la joindre, la jauge de plaisir va exploser avant même que j'ai atteint la cible. Waouh! Mais il est taré le mec, comment qu'il a fait un braquage au frein à main là, avec son... Avec son van. Oh, il y a des bâtiments, ils sont imposants en ville. Faudra qu'on essaye de faire du saut en parachute depuis les gratte-ciel, cousin. C'est... Non mais en plus, pour le repérage, c'est trop bien quoi. De manière posée, tu te dis, mais ah oui, faut aller là, faut aller là, faut aller là, et tu repères tout dans la ville. Wouah. Sinon, il y a les aéronefs. Au pire, ouais. Mais les aéronefs sont un peu trop agités. Alors que te laisser planer avec un parachute, c'est le pire. Attends, j'essaie de joindre ma cible. Mais où est-ce qu'elle est? Non, je me suis pas embarqué là où il fallait. Ah, il est de l'autre côté, d'accord. Donc il faut que je prenne le pont. Je dois traverser la rivière. Oh, la collision frontale que je viens d'avoir avec le motard. J'ai vraiment mal pour le motard. Ouf. Alors, c'est par ici. Et ma cible a plus qu'un... Ah oui, je suis à 1 km de ma cible. Ça va beaucoup mieux. Voilà, oui, c'est la bonne voie. Là, je suis en train de foncer sur mon objectif. Tel un missile. Après, tout n'est pas si clair. Attends. Dès que je pourrais tourner à droite, ce serait une bonne chose. Hop là, pardon, je vais un peu sur le trottoir. Ouh là là. Qu'est-ce que... Ah. Oui, j'aurais peut-être dû tourner. Attends, je vais tourner là. Oh, il est pas loin. Oh. Le malheureux que je dois dégommer est pas loin dans le quartier. Comment que le feu de circulation a giclé? Tue la cible. Celle-là? Oh merde! Oh, 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 oh. Comme ça! Voilà, il n'y a plus de cible. Dépose le client. Tu m'étonnes. Je crois que le client a adoré. En même temps, ça a été une course de maboule. Ah ouais, c'est l'escorte de l'amour, je suis d'accord. Après ce qu'on vient de vivre. Pas ça, c'est passé dans la voiture. Il y avait plus d'un levier de vitesse. C'est délicieusement scandaleux. Ah. Ouch, c'est Madame Poteau. Ah! C'est scandaleux! On n'a pas le droit de faire des agressions comme ça gratuites. Allez mourir, madame. Pouk! Ah, on a des nouvelles missions alors que je suis en plein sur la route et qu'on va se faire écraser. Oh, le camion plateau, ça aurait été pas mal. Alors, oh, je vais vous commander un véhicule là, je vais faire mon caprice. Déjà, je récupère la thune. Pour démarrer. Et je fais appel d'un véhicule. Véhicule. Je sais même plus ce que c'est comme véhicule.
Ouh, je suis dans le grand carrefour. Il faut aller où là? Faut attendre la livraison de mon véhicule. Ah, magnifique! Ça, c'est du véhicule. Monte à bord, cousin. Véhicule blindé, ça calme tout le monde. Attends, pourquoi je te vois plus? Je suis dans mon véhicule. Moi. Ah, d'accord, tu es dans ton véhicule, ok. Moi, je suis dans le gros Humvee de guerre là. Le véhicule est tombé. Ah bon? Je vais passer deux rues à côté histoire de pas me faire exploser par les fous furieux. Voilà, je suis à l'angle, je suis bien. Alors, mission. Mission. Je voulais faire Kinsey. Kinsey, elle propose quoi, la miss? Va au début de l'activité qui est à 3 km. Anyone in particular? Fence company. That's fence like a barrier, not fence like buyer of stolen goods. You're kidding me, right? The company that makes them is seriously bad news. Seriously bad. If you'd rather a corrupt, sinister organization keep making money, easier to say yes than understand the reason. Oui, 3 km quand même. Ouais. On aime voyager, hein, dans le jeu. Faut dire aussi la vie, comment ils l'ont modélisée, elle est magnifique. C'est, moi je dis c'est du grand art. Numérique, mais c'est du grand art. J'aime beaucoup. Moi je dis chez lui, là, là, son chat. Le grand copain te mouffe. Qui partage des offres. Des offres. Ouah, comment que j'ai projeté la bagnole? Je l'ai encastré par le dessous au niveau du rail surélevé de métro. Bonjour Tomouf, j'espère que tu vas bien. Alors que je viens de réaliser un accident de gros maboule. Y'a pas ta mouf. Putain, mais le mec, je l'ai encastré, mais la violence. Tiens, regarde-moi ça. Comment qu'on défonce les barrages? Ah, on y est presque. Alors... Non, je ne répondrai pas au téléphone. Non. Je n'ai pas envie. Non. Bah, nous, ça va, Tomouf. Hein. Ce que je disais à Aerosort tout à l'heure, c'est qu'on respire mieux parce que, voilà, l'orage est passé hier chez moi, donc on se sent mieux. Provoque quoi? J'ai pas compris. Ah, des dégâts. Nice try. Oh, j'ai grenade illimitée. Ah bon? Alors, attends, moi, j'essaie de préserver mon véhicule, déjà. Ça peut être pas mal. Attends, je vais me mettre à l'angle du... Voilà, près de la... Voilà, de là où il y a les flingues. Oui, je sais pas si je peux sacrifier ton véhicule. Voilà, je te tire dessus, mon pauvre. Tiens, attrape la grenade. Hop là. Alors, on a un temps limité, mais c'est rigolo de... Regarde, la voiture de police. C'est se lancer de grenade gratis. Oh, cette violence. Et boum! Regarde, c'est magnifique. Attends, mon angle de caméra est pas bon. Je me mets à l'abri, mais en même temps, l'angle de caméra est pas bon, donc je suis condamné à me mettre sur le trottoir au centre du carrefour, voilà. Là, comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus... Hein? C'est beaucoup plus rigolo! Alors, s'il n'y a pas de véhicule, ça va pas le faire. Oh, j'ai même pas le temps de lancer ma grenade. Oui, en plus, c'est, ouais, c'est moi pas, qui... Oh, dit... ouais. Oh, les carcasses. Bah, y'a plus personne, Hugo. Bah, après, la zone est peut-être grande. Hein. Oui, c'est vrai. Je t'accorde le fait que cette zone est grande. Je continue à pied. Pa-pa-pa-la-pa-pa-pa-la-pa. Ah ouais, non mais on a tellement fait de zouk qu'on a fait fuir tout le monde. Ah, là il y a du monde. Livraison. Non, le rythme est très mauvais. Là on va pas être dans les chiffres de la mission. L'idée est là, mais on maîtrise pas.
Ah, j'ai de la populace là-bas. Ça me plaît. Ah! Il a échappé le Nalo. Qui c'est qui? Attends. Oui, plutôt. Oui, j'allais dire, ouais, il y a des échanges de tirs à faire là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, l'idée d'être sur le grand carrefour était la bonne idée, à mon avis. La question est, pourquoi il n'y a personne? Mais alors, quand je dis qu'il n'y a personne, c'est la misère. On va même pas réaliser un quart de l'objectif, ça va être la honte. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oui, non, mais il n'y a plus personne. Je pense qu'il faille finalement rester dans une bagnole pour honorer la mission, mais balancer des grenades par la fenêtre, tu vois. Le chaos absolu. Je pense que c'est ça, l'astuce. Parce que là, on va pas se mentir, on est mauvais. Oh la vache. Mais il a fini de me tirer dessus, lui. Allez, danse. Ah oui, bijou de famille, je te fais pas dire. Bah alors. Oh, elle est bouche bée la madame. Je sais pas si vous devriez la voir. Elle a une tête. Ça fait peur. Voiture de Polish. J'ai la Polish démontée. Ah, c'est beau. Chiki boum, chiki boum, chiki boum, boum boum. Ah, je te vois là-bas au loin. Ah, c'est rigolo. Oh, c'est magnifique. C'est tellement sport. C'est tellement ça. Ah bah là, ils spawnent tous alors que c'est la fin. Là. C'est... Ah ouais, même les piétons ils savent plus où se mettre tellement qu'il y a des carcasses qui giclent de véhicules. Ah si, on aura quand même honoré un quart de contrat. Merci. On va dire que l'honneur est sauf. Alors, pour la gagner celle-là, ça va être sport. Oui, non mais c'est impossible. Si, mais si, bien sûr que c'est possible. Mais il faut avoir les bons réflexes, la bonne dynamique et un peu de chance, j'avoue. Le facteur chance a son importance dans l'équation. Je peux... Oh! Oh! Oh oui, ah oui. Non, tu viens là, toi. Ah oui. Alors là, c'est la chance qui me sourit, là. Là, c'est la chance du Missouri, là. Non. En même temps, le mec, comment qu'il conduit, il est bourré. Ah, oh, j'avais un magnifique camion de pompier qui s'offrait à moi. Hein? Comment ça, opération de gang? Vous êtes sérieux, vous? Alors, attends, c'était pas ce qui était prévu au programme, mais comme ça s'offre à moi, on y va. Eh ben dis donc. Voilà, et ça c'est cadeau parce que grenade. Ah bah, il y a leur véhicule là aussi. Ah bah c'est bien. J'arrive à faire des dégâts avec les grenades. C'est extraordinaire. Mais en voiture? Non, je suis à pied là. Mais hein? Ils sont tous venus à moi parce que j'ai réglé un compte avec un gang. Donc, comme ils ont appelé du renfort, j'avais plus qu'à balancer des grenades gratos. Et là, j'ai des bagnoles qui ont giclé, mais alors... Bon, le compte n'y est pas, on va pas se mentir. Bah là... Oh, il collectionne les panneaux, lui. Trop drôle. Oui, un autre jour, un autre combat, oui, exactement.
Elle a tout compris, elle. Voilà, ça c'est fait. Oh la vache. Oh, mon, je jongle entre les bagnoles en plus. Ah, c'est toi qui est passé, d'accord. C'est énorme. Ah merde, c'est toi. C'est pas grave. Aïe, 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 l'autre m'achève. C'est merveilleux. Oh là là. Attends, t'es poursuivi, mais non, la grenade fera pas son effet là. Mais il va se calmer lui. C'est pas possible. Alors, vite, rejoins dans la zone assignée. Mais je suis dans la zone désignée. Ouais, moi j'y suis. Attends, je vais reprendre leur bagnole. Je vais retourner leur technique contre eux. Oui, c'est pas mal. Oui, je te rejoins, cousin. Tu as raison. Ouf. Ce qui n'empêche pas qu'on peut. Ah non, je peux pas balancer. Ah, je peux pas être au volant et balancer des grenades ? Bah non, c'est ça que je te disais. Ah merde, en fait. Effectivement. Je croyais que je pouvais ouvrir la portière, mais non. Donc effectivement que c'est un souci. Je l'avais pas vu comme ça. En même temps, j'ai le choix de quel flingue. Ouais, j'en ai pas 50 pompés. Ouais, non, c'est vrai que, alors là... Mais c'est quoi les mecs de Matrix là qui courent comme Tron? Je pense qu'ils ont des patins à roulettes. Ouah, mais c'est des patins à piles électriques atomiques. Non, mais c'est complètement abusé. Non, mais faut qu'elle arrête, elle, Miss Girly, là, elle vient de me retourner. Là, elle vient. Mais elle va se calmer? Ah ouais, faut qu'elle se calme. L'autre folle. Voilà, merci. Bon, on a plus de bagnole. Laissez tomber. Ah, je suis en feu. I am on fire. Je sais plus. J'ai pas le droit d'appeler des véhicules quand je. Parce que là, j'aurais eu un aéronef. Ça aurait été l'extase. Alors, je reprends un véhicule. Hop là. Oui, fais gaffe, parce qu'il y a tellement de monde là que tu vas te faire. Voilà, j'essaie d'épater la galerie avec le pick-up pété. Oh, attention, je vais t'épater. Je suis à 31 de combo. Oh, c'est putain. C'est beau. Ah merde, je suis hors zone. Faut que je revienne dans le quartier. Voilà. Oh là 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 là, le véhicule en feu. Alors on s'est amélioré, mais c'est pas encore ça. Ouais. Comment procéder? This is the question. Non, mais fais-en une autre, c'est pas grave. Ah bah merde, je l'ai relancé d'entrée de jeu, moi. Hein? Provoque le chaos avec les armes fournies. Avec les armes fournies. Oh vache. Pff, cette violence. Attends, est-ce que. Si je suis ton passager, ça peut peut-être s'arranger. Reste au volant, s'il te plaît. Hein? Oui. Parce que si. Alors, non. Je prends le volant et t'es mon passager. Alors à toi de tirer, cousin. Vas-y, moi je maîtrise le véhicule et tu t'assures le spectacle. Alors, faut que je prenne la prochaine à gauche. Voilà. On soit dans mon quartier à mettre le zouk. Je peux tirer aussi. Difficilement, mais je peux tirer aussi. Alors, faut tourner dans le quartier pour trouver des cibles. Ah bah là, il y en a. On va leur rentrer dedans. Ouais, ça fait rien. T'es sûr? Regarde. Moi, je m'amuse à foutre le feu au bagnole en tirant dessus. Non! Il va m'éjecter. Salopard. Petit con. On va mourir. Il a osé. Oula. Je bouge parce que là il y a de la cavalcade. Voilà, va mourir toi. Merci.
Attends, je vais descendre et déposer une grenade. Au moins, ça va dégager le passage. Oh, il y a des mines derrière aussi. Voilà qui est mieux. Oh, la bagnole! Comment je te l'ai embouti? Oh, les pompiers! Pimpon, pimpon, pimpon. Non, je vais mettre en feu les pompiers. J'ose. Tu sais que tu peux dégommer une station essence, hein. Ouais, c'est violent les stations essence, tu as raison. Attends, alors déjà je vais apprendre à conduire parce que aller dans les poteaux bien durs, ça va pas aider. Alors. Oh non, notre véhicule en feu, vite descend. Permettez-moi que j'emprunte votre véhicule. Merci, monsieur. Alors, toi, t'as pris le tien? Vas-y. Mais non. Alors, les stations essence, je l'ai pas vu, mais espoir. Ah oui, ça. Comment tu l'as fait péter? Faut balancer une grenade, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Ouais. Je trouve que... Non, ça aurait pu faire plus de dégâts, je suis un peu déçu, je t'avoue. Ah, t'es en face. Je te vois en face, cousin. Ouah. Ah oui, tu es là. Bon. Bon, je te bagnole est bizarre. On va pas se mentir. Mais oui, là, hein, manger de la grenade, c'est un délicieux fruit explosif. Allez, boum. Allez, plus de véhicule, on n'en veut plus, allez mourir. Ah bah merde, je voulais me prendre celui-là. C'est pas grave. Il m'apprendra. Eh oh, allez. Allez, dansez vous. Ouf. Attends, je vais prendre la... Ah non, j'allais prendre la petite bleue, mais non. Eh, la nana, mais sur les rollers, mais elle me rend fou. Ah, Miss Roller, elle est terrible. Oh, pardon. Ce n'était pas ce qui a été convenu. Attends, mais qu'est-ce que... Oh, le dégommage en règle. Ah, c'est un bon défaut voir ce jeu. Y a pas à dire. On se croirait dans Tron avec... Oui, la nana, oui, je suis d'accord. Mais elle me rend fou. J'arrive pas à la gérer. Bon, on va passer à autre chose. Ouais. Y a un truc qu'on n'a pas dû comprendre à mon avis. Oui, je te donne raison. Mais la nana, franchement, elle me rend ma boule. Attends, c'est elle? C'est... Attends. Non, elle, c'est une nana normale. Non, ah, je suis fou. Je sais pas, c'est tellement fou. Ah merde, je suis plus en illimité. Non, bah non, on est sorti de la mission, donc on n'a plus le droit de... faire attention. Ouais, ça pète. Ouais, non. Alors on va essayer une autre mission avant que je me fasse tuer, là ce serait bien. Oui, je veux bien être ton passager. Merci, vas-y, tu peux foncer. Alors, je gère le téléphone, mission suivante, déjà la thune. Parce que c'est important. Ah oui, tiens, la thune. J'ai de la thune. Ouais. Andy, on va voir. Ah! Allons dans son studio. Alors bonjour, je suis arrivé en fait pour vous parler. Je suis Andy Zen. Je vais sûrement entendre parler de moi. Le studio m'a choisi pour diriger Gangster dans l'espace. Quoi? On va faire un tournage dans l'espace. C'est quoi ce délire? Oui, souviens-toi, c'était dans les. Avec les lapins, là. Enfin, il me semble.
Je sais plus. Non. Ah les lapins d'espace, non. J'ai le lance-poulpe. J'ai la violence. Ah, puis j'ai l'attaque de requin aussi. Oh, ce jeu. Bah, cette collision frontale, honteuse. Et B. Ouf, cette animation en ville. Hey, I don't like getting banged up. You are trying to get me killed, aren't you? La 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 la. J'étais le couloir opposé. Non, je t'abandonne. Moi j'y vais à pied. I'm gonna kill that son of a bitch. I'm gonna kill that son of a bitch. I'm gonna kill that son of a bitch. Excuse me? Oh, hi, I'm Jenny, and I just wanted to let you know that I'm so super excited right now. Is that a good thing or a bad thing? Oh my god, are you kidding me? My first feature, and I'm starring opposite the leader of the Saints. Well, I wouldn't get too worked up. On camera's more of a Sandy or Pierce thing. I'm having a hell of a time wrapping my head around the script. Is the script a problem? Just say the word, baby, we'll toss it. No, no, it's cool, I'm just... I'm winning cue cards like a motherfucker. Brilliant! It's so fucking cinema verite. Kill it. It's nice to meet you, Mr. Zhen. Who is this actor and why is she talking to me? Oh, Mr. Zhen, I'm playing Quilana. Really? I thought we were getting a name. No, just me. It's just fucking... Look, Missy McNobody over here isn't gonna believe it. I promise. One letter. Ah là 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 là. Be yourself. Kill it. Right, let's shoot this fucker. Moi, à combien je suis là, putain? Ouais, je suis déjà à 27 degrés. Oui, pareil. Moi, j'ai 27 chez moi. Ouais. Bon, heureusement que j'ai pas mis mon troisième écran, parce qu'alors là, ça aurait. Ouais, t'aurais tué à d'autres. Ouais. Bah, je vois que mon point, c'est pas en PLS, donc ça va. Au début, il y était. Ouais. Et là, j'ai plus le petit voyant qui dit qu'il est. Mmh. Attends, mais t'es où, cousin? Mais faut que je t'embarque, cousin. Ah, oui, j'arrive. Je me dis, tiens, je vois personne en siège passager. J'ai l'habitude, écoute, j'ai l'habitude de faire le trottoir. C'est muche. Alors, héliport de la garde. On y fonce. Oh, c'est une bonne bagnole, punaise. Oh, je veux bien faire un nid de faire speed avec. Ah, c'est carbone qu'il faut que je reprenne, tiens. Carbone. Oh! Le tournage commence. Quoi, gravir la colline en tirant? D'accord, ok, c'est débile, mais pourquoi pas. Oh, ouf, je me suis vautré comme un caca. Oui. Oh. Ah oui, il faut surtout faire du corps à corps, c'est ça qui est bon. C'est n'importe quoi ce jeu, j'adore. J'ai le lit fouloir. Oh, je suis en train de blinder. Tu peux pas tirer. Je suis couvert. Ah, toi, t'es carrément monté à bord du blindé. Non? Ah, si. Ah oui. Il est fou. Ah! Il est fou, le cousin. C'est quoi ces... Attends, j'ai un rouleau de PQ, moi, au sol. J'ai pas compris. Y en a un qui s'est fait dessus ou c'est moi?
Alors, faut sauver Quillante. Elle est au-dessus, merde. Oui, attends, je vais sauver la miss. Je suis à pied. Oui, j'arrive, je suis ton sauveur. C'est la Tilly. Oh merde, caméraman. Ah putain, merde. Buter le caméraman. Je deviens autiste social. Oui, faut faire un plan fixe, là. Oui, ça va pas, merde, j'ai pas compté, on est merdé. Vous y avez tué. Oh, cette houppette. Non, mais la taille des cheveux, toi. On y va avec l'hélicoptère. Il veut que ce soit chaud bouillant, attends. Oula, dans quel sens? J'ai peur. Je vais faire chauffer une bouilloire, ça va être chaud bouillant. Quoi? Il faut faire du saut en parachute. Ah bah tiens, toi qui voulais faire du saut en parachute. Oui, mais pas sous cette forme-là. Aïe, je suis fou. Non. Je me suis loupé. Ah, c'est drôle. Ah mon dieu, cette scène est ridicule. Wouah. Mais on se croit dans Terminator, là. La scène, là, on se croit dans Terminator. Putain, mais c'est énorme. Ouais, moi, j'aurais plutôt dit Expendable, mais... Aussi, un peu de ça. Chacun a sa référence à l'américaine de film d'action plus... C'est la folie. C'est la folie, furiage. On va sauver la miss. Ouais, c'est héroïque. Oh, cette montée d'escalier. Ouais, plaquage. Ouf. J'ai pas de compagnie, là. J'ai niqué l'hélicoptère, moi. Rien à foutre. Oh, oh, cette ventilation. Ah, c'est extraordinaire. Qui c'est qui me tire dessus? Ah, c'est les autres militaires, d'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. On a un otage. Ne tirez pas. Vous n'avez pas le droit de tirer. Allez mourir, on monsieur. Le chat. Le chat, quel chat. Wow, il y a un snipe. Il y en a qui me tire dessus, je sais pas où il est. Attends, j'ai un sniper. Ah, est-ce que je peux balancer mon otage? Complètement. Mon otage. Oh, il est mort comme un caca à l'étage du bas. Je vais te sauver, ma grande. Je suis là. Et surtout, ne me demande pas de te faire un shampoing. C'est impossible. Je tire dessus. Non, elle a son brevet de pilote, elle. Non, mais elle est sérieuse. Bon, je suis monté à bord d'un hélicoptère. Je te laisse au sol, cousin. Ne m'en veux pas. Mais je suis bien. Ah bon. Je suis avec toi. Bon, c'est merveilleux. Je sais pas comment t'as fait, mais c'est la magie du direct, on va dire ça comme ça. Tula tula tuti, tula tula tuta. Attends, il nous court ou il nous tire dessus, lui? J'ai des gros doutes. Ah! Alors lui, il nous tire dessus. On est déjà en feu. Ah! Bah, à la base, il est endommagé, l'hélicoptère, à cause des échanges de tir au sol. Merde, oui. Bon, on va continuer à pied, je crois. Mais elle a bien géré l'atterrissage, bravo. Elle est douée, cette miss. Ah ouais, tu parles d'une impro géniale pour le film, c'est énorme ce qui vient de se produire. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un bug. Oui, mais artistiquement, il est troublant. C'est un pendule. Oui, il y a de bœufs. Ok, tout va bien. Alors, ceux qui veulent faire de la musique, c'est en rythme. Exactement, c'est un métronome. Oh, que je bouscule d'ailleurs, t'as vu? Oh, cette scène de film. C'est merveilleux. C'est quoi ce film? Qu'est-ce qui se passe? Tuez tous les gardes. Mais quelle horreur. Vous êtes des monstres. Allez, et que ça saute. J'ai trop de violence. Ah merde, c'est le caméraman, ça, je crois. Ah, j'ai vu comme toi, j'ai vu le caméraman. Bon, bah tant pis. Non, ça c'est toi. Antisocial. Ah, rejoins le véhicule. J'ai bien, je suis le véhicule qui va rejoindre.
On est à 7 sur 15. Alors, je pense qu'au bout du 15 sur 15, c'est foutu. Oui, je te laisse conduire, moi je tire. Non, je conduis. Pardon. Non, c'est elle qui conduit. Oh, c'est merveilleux. Parce que moi, je suis à la tourelle supérieure et... Ah, moi, je dois être à l'intérieur. Voilà, on est censé avoir des poursuivants, mais je ne les vois pas. Oui, ils arrivent derrière. Ah, ça y est. Alors, il faut que je gère la surchauffe de l'arme, ce qui est logique. Les hélicoptères sont chiants là par contre. Merci. J'ai déjà à que faire des véhicules au sol, alors si les hélicoptères s'y mettent. Ah, par contre, faut éviter d'écraser les caméramans. Ah merde! Ah, elle fait des bêtises, notre. Ah merde, je suis con, oui, c'est pas toi qui conduis. Non. Moi, je j'assure le tir. Mais non, je tiens pas le volant. Wow, mais ils gîtent de manière trop bizarre les véhicules blindés. Military leader. Attends, l'arme surchauffe. On se calme. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends pas cette décision d'aller par là, mais pourquoi pas. Wouh, tu parles d'un joli tir. Mais si, c'est très bien ce que tu fais, cousin. T'assures le tir secondaire et tu le fais très très bien. Wouh! Non, il y a du monde devant. Ah oui, merde, il y a un barrage routier. Attends, c'est moi ou c'est un char d'assaut? Qui arrive? C'est complètement délirant. Je crois que les extraterrestres arrivent en force. Ah oui, c'est son peuple, oui, d'accord. Ok. Et là, tu vas entendre. Attends, ils sont avec ou contre nous? Non, ils sont contre nous. Ils sont contre nous, ouais. Heureusement que le radar nous a indiqué en rouge. On avait déjà eu une mission comme ça avec des aéronefs. D'accord. Ouais. Où est le Claude? Y a pas le Claude? Non, attends. Bon, là, on est dans une ambiance où on aurait l'extraterrestre de Roswell qui dit bonjour, je m'appelle Paul. Là, on s'y croirait. Le navet parfait. À défaut d'être un nanar. Oh! Mais elle est barge! Mais quelle idée de... Mais faut lui retirer le volant, cette fille. Elle est pire que moi. Et je me demande si on bute les caméramans, ça va pas débloquer un succès. Censure du film. Attends, j'arrive pas à viser l'aéronef. Je les cherche, je les vois plus. Bah non, il n'y a plus de caméraman. Ouais, qu'un aéronef. On peut le dire, on a des poursuivants. On m'en fout, il est escalé. Ah oui, qu'il aille mourir. Mais c'est bon, la séquence de film, elle est terminée là, parce que c'est, ça s'éternise, c'est la folie là. Bon, tant que vous ne mettez pas de tigre dans le script, moi ça me va. Ah! Non, mais non, tu peux la refaire, la mission du tigre, je pense l'avoir comprise. Ah bon? Oui. Bah, on verra, mais pourquoi pas. Mais je suis ravi de ton affirmation et surpris. Tu as raison, hein. Quand tu dois tirer et que t'as de la végétation urbaine, c'est juste l'horreur. T'as les arbres qui te flinguent la vue. Bah, il est où?
Attends, il gesticule à donc celui-là. Alors lui, c'est un excité du pilotage. Ah oui, alors. Ouais. D'accord. Oui, il y en a un autre là-bas. On a un autre là-bas. Il n'y a pas les autres là? Pourquoi tranquillement? Mais non, mais faut projeter le véhicule dans le dans la rivière. Alors faut s'apprêter à sauter avant de toucher l'eau. Enfin, faut qu'elle apprenne à conduire déjà. Voilà! J'ai rien compris. Oui, merci. J'ai pas compris non plus. J'ai pas pu sauter. Are you crazy? He's the director. So? He's lying his ass off about that job. Ah oui, on peut recommencer la scène. Okay, faster with more intensity and less sucking. And play ball. Here we go. Allez, zoom, on recommence. Attends. On fait mieux la scène. This script ain't worth it. Non mais le script du réalisateur et du scénariste, tu t'en fous, l'idée c'est qu'il faut jouer la partition convenablement, ma grande. Elle est marrante, elle. Mais oui, mais les poursuivants, faites quoi là? Vous demandez une augmentation de salaire? Ils font grève là ou quoi? C'était pas ce qu'on était censé tourner là. Ah, ça y est, il y a du monde. Oh là, attends. Non, c'est... alors c'est inexact, cousin. C'est scripté, c'est-à-dire que c'est la suite du tournage. Parce qu'en fait, on a été condamné à l'échec à sauter dans la rivière, mais c'était contraint et forcé, sinon on n'aurait pas eu les dialogues qu'on a eu. Si non, mais c'est pour la... c'est une farce, dis-toi que c'est une énorme farce cette mission. Ah, c'est la suite, c'est pas vraiment. Attends, pourquoi on n'avance plus là? Wouh, c'est quoi ce délire? C'est quoi ces aéronefs de ma boule? C'est des mini-drones. Oui, on se croirait un peu dans... Enfin non, le jeu, c'est très original. Mais sors du tunnel! C'est bizarre comme tournage de film. Ça me fait penser, il faudrait que je vous fasse un jour le cascadeur. Comme jeu, c'est génial. Cascadeur en anglais, ça se dit... Chuck Norris. Non. Je sais plus, c'est le nom du jeu. Enfin, de la saga, parce qu'il y a eu plusieurs opus. Le cascadeur... Stuntman. Excellent. J'ai la chance de l'avoir sur PlayStation. Et il faudra... Oui, voilà, merci à Airoster, c'est ça. Exactement. C'est bien, tu connais les classiques, punaise. T'es fort, Airoster, bravo. Le jeu, 2 minutes. Oui, fais une pause. Rafraîchis-toi. Rafraîchis-toi, bois un coup. Et bon, Christella. Ah, Christella, bisous. Eh oui, qu'on est bien content de voir. Zoli, Christella. Quand même allumer mon troisième écran. Ouais. Attends, moi je bois un coup. La vache, il est pas midi, il est 11h30 et je t'avouerai que comme j'ai pas pris de petit déj, je commence sérieusement à avoir les crocs. Donc je sais pas ce que je vais me faire à midi à manger, mais je vais manger. Voilà. Surtout que là il fait bon, donc ça va augmenter mon appétit. C'est vrai que j'ai aucune idée de ce que. Est-ce que j'ose me faire des pâtes à midi? Je sais pas, peut-être. Je sais pas, je verrai. Ouais. Je verrai. Je prendrai ma décision qu'on fera la pause à midi. Je vais sauvegarder, comme ça c'est fait. Vivi. Il faut que je gère les denrées périssables aussi. Non. Ce soir, je me ferai une salade en partie de tomates. Quoi, amélioration? Quoi? Le jeu me dit qu'il y a une amélioration. Oh la tunasse! C'est indécent. Oui, c'est vrai, on a beaucoup d'améliorations. Mm.
combat rapproché avec des muscles. Ah ouais. Non, moi j'ai pas de tunas. Attends, combat, j'avais encore autre chose. Ah oui, les munitions fusil. Oh la vache. Alors, je dois avouer que je me suis rarement plaint dans ce jeu d'être à court de munitions. Mais à l'idée de pouvoir augmenter ma capacité de stockage de munitions, je suis d'accord. Ça fait plaisir. Ah oui, on s'en sert plus de la valisette spéciale tir aérien là. Ah oui. Ouais. Ouais. L'espèce de... Comment on appelle ça ? Mortier là. Bah c'est une arme par satellite. C'est ça. Mortier par satellite. Ah. Comment ça, augmentation du joueur 2 ? Attends, les intitulés parfois sont perturbants. Tu sais, t'es pas certain de quoi tu parles. Ressuscite les disciples 10% plus vite. Notoriété, allez, notoriété. Pickpocket, percute les gens pour piquer leur fric. C'est horrible. Oh, ce jeu de tous les vices, c'est extraordinaire. Voilà, moi j'ai plus de sous. Je me suis lapidé. D'accord. Ah, il y a un appel de téléphone. Ah bah attends, tant que tu fais ça, moi je consulte mes messages parce que j'ai déjà trois appels manqués. Oh vache, oui, vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Je sais pas qui c'est. Ah, il m'a laissé un message. Qui me dit... Pa-pa-pa-la-pa. Qui me dit... Wow. Ah. J'aime bien les clients qui me disent « Bonjour, j'ai acheté une tablette chez vous, c'est une Tsum Tsum. » Ah ouais. C'est chez la Tsum Tsum. Quoi ? Une Tsum Tsum. Aïe aïe aïe. Excellent. Là, je suis en train de dépenser tout mon fric dans les améliorations. Mais je crois que j'ai claqué près de 100 000 $. C'est complètement abusé. Oui, il me dit que j'ai même plus assez de thunes. Faut que j'arrête. Là, j'ai tout flambé dans les améliorations. On va devenir divin, cousin. Nous allons devenir des dieux vivants. Oh, une opportunité de super ethical. Ah oui, la mission éthique avec le minou, j'adore. Ouf, ce duel sur le trottoir. Ouh. Eh ben dis donc. Pardon. Ah, c'est dommage, je peux pas bouger la vue. Putain, c'est fou. Depuis le mois de juillet, depuis la mi-juillet, je sais pas si ça vous le fait, vous autres diffuseurs Twitch, mais il y a à nouveau les escadrons de robots pollueurs qui balancent des pubs de piégés. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ne cliquez jamais sur les liens. Mais le robot, voilà. Il bannit, il éjecte des comptes vérolés bidons quasiment toutes les heures. C'est la folie des internets. Ah là 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 là. Let's pretend. Oh là là, il y a des pubs trop bizarres. Alors attends, si... Oh ! On a vu brièvement les globes oculaires de la madame de dos. Il y a eu un bug de collision de boîte crânienne. Là. Attends, est-ce que je peux personnaliser une bagnole? Bah non, il faut que je sois dans un garage. Attends, je vais regarder un truc en attendant. La carte. Les habitations. Comment ça, une sur deux? Je peux en acheter une autre? Ah merde, t'es pas dispo. Oui, pardon, parce que je suis dans mon... Mais pourquoi les...
les habitations, c'est bizarre, je trouve qu'elles sont mal réparties dans la ville. Là, il y en a une à acheter. Un hangar pour avions. Eh, c'est intéressant, ça. Non, mais sérieux. Écoute, cousin, j'ai bien envie d'acheter le hangar pour... Ah bah non, on n'a plus de thunes. Non, t'as raison. C'est ce que j'allais te dire, à mon avis. Je suis en pleine contradiction, tout va bien. Bon, bah vas-y, choisis la mission. Je vais appeler un véhicule. Je veux ma décapotable. C'est marqué n'est pas dispo. Oui, c'est ma faute parce que j'ai appelé un véhicule de téléphone. Vas-y, on commence, excuse-moi. Merci, il y a un mec qui a... Une madame. Mais c'est pas un mec. Non, quand tu vois des tels attributs, c'est pas un mec. Merci, Mizel. Bah non, il y a marqué Is n'est pas dispo. Is ? Ah bon ? C'est scandaleux, je suis à bord de notre décapotable. Essaye de la refaire, quoi. Bon, alors attends. Non, mission, je suis en train de me planter, tu vois, je fais des bêtises du coup. Opportunité super call, tu dois confirmer. Ah, mais non, ah, c'était celle-là? Bah oui, je veux dire, on l'a pas fait toujours. Mais c'était le tigre. Ah oui, alors le tigre, suivant, on la fera rapidement après. Mais c'est rigolo, les missions Genki. Bah, tu veux pas de ma décapotable? Je comprends que t'aimes pas, mais... Je suis déception. Oh, l'autre, comment qu'il se la pète? La bagnole avec la portière qui s'ouvre à la verticale. Ouais, putain, j'ai rapide en plus. Ah bah, bravo. Je vois que monsieur a ses préférences. Bravo, bravo, je m'incline. La 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 la, moi j'aime beaucoup. On dirait que j'ai transformé une Nissan Skyline en décapotable. Je sais pas si vous ça vous fait l'effet là, mais j'aime beaucoup le principe. Parce qu'à la base, je vous rappelle que la Skyline de chez Nissan est une berline japonaise qui est pas décapotable. Et de l'avoir rendue décapotable, je trouve que c'est très 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 stylé. Ce jeu est extraordinaire. Oula, oui, alors la bétonnière m'a influencé, m'a fait peur. La, oh, c'est travaux, on se croirait un an. Et ben alors, on a la traîne, cousin? Ouais. Je crois que le malheureux était sur un Vespa et il a giclé dans la rivière avec moi. Il s'est retrouvé à la fraîche. Eh, tu me nargues, cousin, mais je suis pas sûr que t'arrives premier, là. Parce que vu à la vitesse à laquelle je me précipite sur l'objectif... Ah si, bon, c'est bien. Très bien. Je n'ai rien dit. Oh, ce véhicule. Wouh, j'ai la mission Genki en tuture. Utilise le mot. Ah, il faut que j'aille le chercher, le pauvre, je l'ai renversé. Bien, Genki. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je lui ai roulé dessus. Il aime le meurtre, mais les fans excessifs l'agacent. Ah. Du meurtre, au lance-flamme de l'enfer. Je crois que tu dois gérer le lance-flamme, cousin. Si je gère le volant, tu dois gérer le lance-flamme. Non. Ah, je ne comprends plus. Non, moi je balance les grenades. Ah bah, balance-les bien, parce qu'il faut beaucoup de morts. Ouf. Il faut des morts, même sur les trottoirs. Oh, la grenade. Oh oui, fais-toi plaisir. Ouf. Oh, monsieur Vespa. Ah non, c'était... Non, je sais pas. Oh, qu'il aille mourir. Lui. Oh, oh, ce meurtre. Renversant. Le camion de déménagement. Chez Kano. Ouf. Allez, coup de double. Tu peux le faire, cousin. Tu peux. Non? Bah alors. Oula, on va se faire cerner là, vite. Wouah, cette guerre. Même la télévision est là pour filmer. Était. Ouf.
Détruire tous les véhicules de poursuite. Oui, tu as fait très très fort. Bien joué. Et un succès. Par contre, il est vite agacé. Hein. Oui, par contre, ce qui est bizarre, c'est leur goût de mettre des spolies arrière sur ce genre de 4x4. C'est même dans Need for Speed, j'ai pas souvenir qu'on pouvait faire ça. Je suis troublé. Allez, une petite pointe de vitesse sur le boulevard, sur la voie rapide, il va avoir du plaisir, moi je suis Genki. Genki face. Ouf. Voilà. Changeons de rue. Mais la voiture, elle est trop stylée. Oh, ce bon goût. Alors, on va faire des meurtres sur le trottoir, comme ça. Faut tuer les mascottes secondaires. Les mascottes secondaires. Astotu. Alors, attends, je suis pas dans la bonne rue. Comment ça, point d'exclamation? Ah non. Wouah! Ah, donc c'est toi qui gères ça, c'est pas ouais, moi. Ouais, c'est fou. Hein. Comme ça! Ouf. Attends, j'attends que le lance-flamme me surcharge. Alors, on met de l'essence dans le lance-flamme. Comment veux-tu que je zigouille les mascottes? Oui. Ce camion du non-respect alors que tu distribues les grenades à tour de main, c'est trop drôle. Mais j'ai eu le malheur de m'embarquer sur la voie côtière et du coup, voilà. Je suis bloqué sur des kilomètres. Mais oui, mais bien sûr que je vais tuer les mascottes, mais il faut peut-être que je les atteigne. Une fois de plus, j'ai eu le malheur de m'embarquer dans la mauvaise rue. Alors, où sont ces mascottes? Elles sont encore loin, dis donc. Dans la ville. Oh. Voilà, ces messieurs sont fait écraser par la... Par la Genki Car. Il y en a qui veulent voir la Google Car. En vrai, nous, c'est la Genki Car. Ouah! Oh mon dieu. Comme tu dis. Je ne comprenais plus. Ah, 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 ah. La scène d'action se passe ici. Ah, si j'arrive à les cramer. Oh mon dieu. L'agacement est certain. Ouf. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh non, il y a trop d'agacement, monsieur Genki. On gère mal, c'est honteux. C'est honteux, on est sur la piste de décollage. De décollage du plaisir. Ah. Ouh, j'allais nous projeter dans le vide. Y a pas un tremplin? Non, pas vraiment. Alors, attends, après, comment j'honore le... Ah, il faut que je zigouille les fans, c'est ça? C'est-à-dire nos poursuivants. Vraiment, y a pas de tremplin? Vous êtes sûrs, les gens? Trop bizarre. Bon alors, les vilains. Ils sont là, les vilains. Non? Ils sont où? Je ne les vois plus. Mais que fait-il? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un scandale. Il va mourir cuit. Ne t'approche pas des fans excessifs, Genki commence à être agacé. Oui, mais on les a tués. Alors, attends. Les fans de Genki l'ont agacé. Utilise les ruelles pour leur échapper. Ok. On va y arriver. Courage, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Oui, en fait, faut pas les zigouiller. D'accord. Faut juste les fuir. Ouais. Courage, fuyons. Ah, bah, il faut écraser les gens pour qu'ils écrasent les gens. C'est une activité horrible. C'est un clin d'œil à ceux qui connaissent le jeu qui avait fait évidemment polémique. Carmageddon. C'est Carmageddon, alors c'est un jeu sous l'eau, mais évidemment il avait déchaîné des passions, mais passions mauvaises.
Parce que le but est d'être en bagnole et d'écraser un max de piétons sur la voie publique. C'était l'essence même du jeu, quoi, la base, et ça avait gueulé. Mais j'ai envie de vous répondre que depuis, malheureusement, il y a eu bien pire, de mon vrai. Oh merde! Mais non, mais cette voirie à la CON! Où je m'encastre dans des poteaux. Écrase des gens! Écrase les gens! Alors attends, si je peux, parce qu'il y a tellement de véhicules que. Ils étaient où les gens sous le trottoir? Ils étaient là! Ah! Genre ouais, il y a un bug. Ah, ah bon? Ouais, ouais, j'ai eu un petit lag. Ah d'accord. C'est horrible. Ah bah non, je l'ai loupé. Ah, l'arrêt de bus. Mais, hé hey, il va arrêter, lui, avec son... Hein, merci. Ouf. Oh, ce meurtre. C'est atroce. Voilà, voilà, c'est abject. C'est abject, mais je fais la mission Gunky. Alors, il m'ordonne de tuer les mascottes secondaires. Qui sont au-dessus. Là. Ouais. Ils sont au-dessus, j'ai pas tout compris. Ah, oh, j'ai des lags. Ah bon? Ah, le jeu a planté, je crois. Ah merde. Ouais. Alors, moi, je me suis planté. Je comme déconnecté. Ouf, ça va, t'arrives à reprendre la main? Bah j'attends de voir ce qui se passe. Mm-hmm. Ah oui, non mais c'est le jeu qui a planté en fait. Pourquoi je sais pas, mais le jeu a planté. Ouais, là je suis, t'es plus là, je te réinvite. Attends, j'attends de voir si ça décante un peu. Mm. Attends, je vais te réinviter. Oh, il y a Christella qui est dans le... Oui, mais je peux inviter qu'une seule personne. C'est en tandem, le jeu. Oh, je suis vraiment surpris de voir que Christella m'a été proposée dans les joueurs. Déjà, parce qu'il me dit que le jeu est en pause. Mmh. Attends. Mmh. Voilà. Ah oui. Ah oui, mais ça a complètement planté en fait. If you want to meet the genius behind the epic extravaganza of bloodshed and carnage, then head to Leather and Lace. And while you're there, go ahead and pick up a GIMP suit. Ah non, le jeu a complètement planté. Bah relance. Mais non, mais c'est que ça m'a planté mon interface. J'ai accès à plus rien. À ce point? Oui. Ah, ça y est. Non. Attends. Waouh, je sais pas dans quel pétrin informatique t'es au niveau du jeu, mais ça a l'air énorme. Énormément frustrant. Voilà. Alors, notification, c'est pas ça. Oh, c'est chorégraphie. Jeu, oui, le jeu. J'ai vu un mec déguisé en canette sur une moto, c'est rigolo. C'est rigolo. Waouh, vas-y le papy, il est stylé. Il a fait la danse du kappa. Ouais, il y a tous les papyronnés qui s'y mettent. Oh yeah. Oh ouais, c'est beau. Oh trop bien les passants sur les trottoirs. Et on nous demande de les écraser, mais j'ai honte. C'est les meilleurs piétons du monde. Yeah. Ils se font du rentre dedans là, mais avec style. Aïe aïe aïe. Pff. Voilà. J'ai quitté le jeu. Hop, ouais. Je vais relancer le jeu.
Regarde juste où en est mon. Attends, on devine la tuyère au niveau de la bagnole. Elle doit avoir un réacteur d'avion. La nitro sur cette bagnole, je n'ose même pas imaginer ce que ça fait. Tu dois décoller avec. Mais alors quelque chose de magnifique. Genki Ball Shivern. La reine du Genki de la bonne forme. Numéro 7. Papa para pa para pa. Para pa 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 para pa. Vas-y, tu peux me réinviter. D'accord. C'est parti. Oh yeah. Oh, la mamie qui s'enfuit du coup. Ah oh, c'est con. Alors, Rio ne peut pas rejoindre la partie quand tu effectues une activité. Ah, il faut que je me désengage de la mission pour... Oh merde. Mission en cours, mais comment je fais pour annuler ma mission, moi ? Je sais plus. Recommencer ou quitter activité. Oh là 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 là. Bah du coup, on va aller sur le tigre, si tu veux bien. Oui, ouais. On va faire ça. Et seulement après, on reviendra sur le Genki, s'il est pas midi, mais à mon avis, je crois pas, mais bon, bref. Alors, coop, ah bah, t'es là. Normalement, t'es... Attends, je ne suis plus sûr de rien. Oui, c'est bon. Ah oui, t'es là-bas. Oh, la pauvre madame. Mais quelle horreur. Bah alors. Je peux pas l'aider. Non, je peux pas l'aider à se relever. Elle le fait comme une grande. En même temps, faut marcher sur le trottoir, madame. Pas sur le bord de la route. C'est pas pareil. C'est où la sortie? Oh, madame. Elle a un air de Margaret Thatcher. Je crois que je vais l'empoulper. Comme ça. C'était tic. Yeah. Ah, trop stylée cette permanente, madame. J'adore. J'ai tellement à la mode. À la mode visqueuse, je crois, mais c'est rigolo. Oh! C'était quoi la mission? Ah oui, c'était œil du tigre. Ouais. Yeah. Are you ready for the last test? You have a funny definition of training, Angel. There's a car waiting for you. Head to it. I've already played in traffic, remember? Alors, la voiture qui nous attend à 3 km, comme d'hab, tout va bien. Mais cet après-midi, je vais limiter, en fait, ma connexion... Ouais. Alors, j'ai beau voir la fibre et une super config, mais tu fais quasiment 37-38% de perte de paquets. Oh! Et oui, non, mais c'est parce que j'ai dû merder ma config quand j'ai réinstallé OBS. Ah merde. Et ouais, non, mais j'ai. Comme je. Moi, je joue en 4K, mais j'aimais en 1900. Non, en 1080. Et la dernière fois, j'ai pas réussi. Donc il faut que je baisse. Oui, pardon, je me prends la poire parce que j'ai voulu shipper le Vespa d'un mec. Et en fait, pour le dissuader de quitter son véhicule, je lui ai tiré le canon poulpe. Et il s'est mis à faire une chorégraphie en étant à la fois sur le Vespa, mais debout. Et tout en roulant, hein. C'était très stylé. Avec le poulpe sur la tête, c'était merveilleux. C'était improbable, mais c'était merveilleux. Donc du coup, je me rends la mission en Vespa. Et là, on peut chanter du Helmut Fritz. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Alors, je sais plus les paroles, mais à un moment, il parle de Vespa dans la chanson. C'est rigolo comme de haut. Je suis arrivé en Vespa. On me dit, tu rentres pas. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Papa la papa. Ça m'énerve.
Ah là là, enfin, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais qu'est-ce que j'aimais le perso et la musique de d'Helmut Fritz. C'est dommage que le personnage n'ait pas eu le succès qui, franchement, je trouve, méritait d'être... Enfin, bon, bref. Oh, magnifique, t'es déjà sur place. A plus pour l'épisode commenté, FunFan. Ouais, bon Mass Effect à toi. Ah, ciao, bonne journée. Ah oui, il va se faire une après-midi complète de Mass Effect. Et il a bien raison, parce que c'est un jeu magnifique, Mass Effect. Sans déconner, si un jour tu veux faire de la science-fiction, mais intense en tout point, en action, en récit, Mass Effect, c'est une perle vidéoludique, c'est un incontournable. Je le conseille chaudement, cousin. C'est une trilogie, hein. Bon, il y a la suite Andromeda, mais c'est un bonus Andromeda, c'est spécial. Certains ne le considèrent pas comme le quatrième opus, mais... Enfin bref, fais déjà la trilogie, crois que ça va t'occuper une centaine d'heures. Si c'est pas 200 heures, je ne sais plus. Alors, rappelle-moi les instructions. Oui, pourquoi la jauge de courage est en haut, là? Parce que j'ai compris comment fallait faire. Oh, c'est merveilleux. Pourquoi j'arrive pas à le... Ah ouais. Ah non, mais t'as tout compris, là, la jauge de courage qui va exploser. Alors que j'ai embarqué un panneau 35 miles limité. Ah! Bon, véhicule de fourrière de mes deux. Oh, on va dans un tunnel, le grand tunnel de la ville. On a gagné. Voilà. GG. Je disais que j'avais compris le truc. Ah non, mais bravo. Moi, je t'ai fait mentir avant midi. Non, mais c'est génial parce que du coup, c'est bien d'avoir bien profité du tigre. Voilà, mission escorte déverrouillée. Angel de la Muerte est un pote qu'on peut appeler au combat via le téléphone. C'est beau. Pardon. C'est la folie. Quoi? Réanime ton pote. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi il nous assassine? Mais ça va mais pas pendant qu'on était dans le menu, en fait, on a dû se faire canarder. Mais c'est une honte. Ça doit être interdit. Allez, debout, il marche. Wouah! Mais ils sont sur les trottoirs de la voie rapide dans le tunnel. Oui, police, s'il vous plaît. On veut votre véhicule. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Burp. Dis-moi qu'il y a la sirène. Non, il n'y a pas la sirène, j'ai pas trouvé le bouton. J'ai fait H pour horn. Ah oui, alors. La police démontée, vous connaissez? C'est merveilleux. Alors, on se fait quoi? Une dernière mission avant la pause déj? Oui. La dernière mission avant la pause. Déjà, il y a la thune. Toujours la thunasse. La sacro-sainte thunasse. Alors, mission. Affronte tes peurs avec Angel. KO avec Kinsey. Code Johnny. Ou est-ce qu'on recommence le super Ethical? Non, il n'y a rien. T'as pas de préférence? Attends. Ah merde, j'ai pincé dessous. Ah, c'est moche. Je dois remonter dans le véhicule. Donc t'as une préférence de mission ou pas? On peut faire de la peinture, là je sais pas, ou affronter nos peurs. Oh oui, vas-y, affrontons nos peurs. Bon, alors affrontons les peurs, c'est avec Angel. Angel, don't cry. Du-du-du-du-du-du. Je sais plus c'est quoi la chanson. Angel, where are you? I see you made it to the final test. Answer my question. At the gym training. Don't move. What? Ouf. Et là, je pense que c'est un mix, c'est un quartier, un mix entre les rouges, les verts, les bleus. Ouais.
pour la guerre de territoire, oui, c'est fameux. Mais entre les gangs. Mais non, mais je dois avouer que le véhicule de police est pas mal rapide et robuste. Hein. C'est vraiment un super véhicule. Mm. Là, j'ai une aisance à me mouvoir dans la ville alors qu'il y a pas mal de trucs. J'apprécie. Ah bah tiens. Ah bah non, je crois que c'était une voiture de police, mais pas du tout. J'ai du caca dans les yeux, tout va bien. Cher ami, ah, je croyais qu'il, hein, bon, qu'il était au stop. Oh, c'est ici, excusez-moi. J'ai failli louper. Oh, comment puis-je louper un tel établissement? C'est énorme. C'est énorme, prise de catch. Mais... A fucking tiger? If you're fighting the luchadors, you need to be ready for anything. A fucking tiger? Don't lose the message in the method. You mastered your fear. What the fuck is wrong with you? You're ready to face Kilbane, but the luchadors must still be dealt with. You know where to find me if you need more training. Eh B. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, on doit attendre les instructions. Oh, attends, j'ai un truc à déverrouiller en face de moi là. Qui est en point d'interrogation énorme. Oh, c'est bizarre, c'est pas une planque, c'est quoi? Bon, ça doit être une mission. Ah, fraude à l'assurance. D'accord, c'est une mission de fraude à l'assurance. Non, ou alors c'était une scénette de scénario pour saluer qu'on ait réussi les tigres, en fait. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye une fraude à l'assurance, on fait une mission. Oui, vas-y, ouais. Fraude, bah, ouais, fraude. Quoi? Fraude à l'assurance. Allez, on y va. Essayons. C'est un bon défouloir. Ah, c'est le coup, il faut faire le max de dégâts, non? Oui, c'est ça, en se vautrant sous les véhicules, en balançant des grenades et... Et c'est la guerre! C'est la guerre urbaine! Attends, rien qu'ici, déjà, il y a des trucs de fou. Ah, j'ai pas le droit aux grenades. Alors, attends, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai un triangle objectif là-bas. C'est des zones. Ah, d'accord. Bon, bah, du coup, on va aller dans l'autre zone. Oh, le pauvre monsieur. Oh, le malheureux. Attends, c'est quoi ce carrefour? Mais où est-ce que... Ah, c'est par au-dessus, d'accord. Oh, vache. Oh là 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 là. Oui, c'est ici que ça se passe, en fait. C'est ici, le boxon. On peut démarrer avec une station-service. Ah oui, attends. Je peux pas balancer ma grenade? Ah non, j'ai pas le droit. C'est verrouillé. T'as raison, il y a pas d'arme. On peut se laisser tomber comme un flan. Bravo. Je suis parvenu à me jeter entre les deux véhicules alors qu'il faut se jeter dans le... Oh, bleu. Oh, la balayeuse. Wouah. Les dérapages de la balayeuse, c'est trop drôle. Oui, fraude à l'assurance. N'écrasez-moi, monsieur. Attends, la feinte avec la police. Non, mais à quoi vous jouez, les gars? Ah, d'accord, ok. Il s'est fait emboutir, le con. Voilà. Là, c'est pareil, il doit y avoir un truc qu'on n'a pas compris, parce que... Ouais, il y a une dynamique qui est pas évidente à avoir, mais c'est rigolo. Oh, non, oh, je l'ai loupé, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Si je mets toi en voiture, ça fait quoi? Je suis dégoûté. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Normalement. Sauf que j'y arrive plus, là. Ouf. Ah! Oh! De voiture de gang. Bah, du gang à Killer Ben, tiens. Bah alors, le monsieur, faut pas rester là. Vous ne faites pas partie de la fraude à l'assurance, monsieur. C'est une honte. Rentrez chez vous. Out. Bien fait. Ah, encore une autre balayeuse. Ouf. Qui s'est passé? J'ai été balayé, littéralement, là, par la voiture balaye. J'ai besoin de... Ah! Hey, tu peux pas me rentrer dedans, là? Que ma voiture soit en feu. Faites-moi ou... du rentre dedans. C'est quoi cette bagnole? C'est toi qui la pilote? Mais quelle drôle d'idée. Oui. Je ne vous comprends plus, poil au lit. Ouf. Attends, je t'écrase. Oui, non, c'est loupé. Ouah!
Il y en a qui passent, mais alors pleine balle. Aïe. Oui, merci. C'est réussi, je suis à plat aujourd'hui. Ah, attends, il y a du trafic qui arrive dans la police. Non, j'ai loupé la police. Oui. C'est pas du tout évident, mais on peut le faire. Attendez voir. Ah oui, le pont est notre meilleur ami pour les véhicules qui arrivent en pleine balle. Parce que c'est la voie rapide en fait. Oh, cette collision. Ce carambolage, je vole. Je ah, vole. Moi aussi, j'ai pas vu le Superman là. Ah oui. Sauf que malheureusement, on n'a pas les quotas. Ah. On va devoir la refaire, cousin. Alors que le final est plutôt bien. Je dois mais avouer. C'est, je pense qu'il y a encore un truc qu'on n'a pas dû comprendre. Alors, souviens-toi que j'avais eu le malheur de changer de carrefour dès le début, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. C'est vraiment quand le carrefour, il n'y a plus grand-chose, qu'il faut se délocaliser sur le deuxième. Eh, hey, regarde, là, on voit déjà qu'il y a du boxon dans celui-là. Donc, bon, sauf que les voitures vont pas assez vite, mais ouf, ça peut s'arranger. Ah! Mais comment qu'elle a pilé? Tu peux pas piler comme ça physiquement avec j'ai dit une Lamborghini. Une limousine, ce n'est pas possible. Une Bentley peut-être, non? Oh, le bouchon de radiateur, c'est trop de luxe, monsieur. Vous n'avez pas le droit, c'est indécent. Aïe, 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 aïe. Quand je vois les frocs, les entrejambes des gens, par rapport à Jean-Michel Camara qui est en panique, mais en introspection. Oh! J'allais surfer sur la bagnole. Oh, je t'ai vu décoller. Ah oui, là, je viens de me faire un simic d'un coup, là. Oh, bravo. C'est un scandale. Mais pourquoi arrêtez-vous? Faut pas vous arrêter. Faut appuyer sur le champignon, monsieur. Voilà, on s'écrase comme des flancs sur les... C'est n'importe... Ah! Ah oui, envole-moi, comme dit la chanson de Goldman. Envole-moi. Mais démarre, abruti! Oh! Mais l'autre... Ah! Mais fais pas... Mais pourquoi il se barre, lui? Mais qu'est-ce qu'il me... Ah! Ouf! Alors, t'as provoqué une situation de confusion sur le carrefour, c'était nimp. Oh, ouf! Moi, et l'adrénaline, à quoi ça sert? Non, je t'avouerai que je sais pas, mais... ou alors, je sais pas, c'est un cumul de jauge d'action. Oh, ce véhicule personnalisé de gang, il est immense. J'adore. À tel point que j'étais téléporté parce que je suis resté trop longtemps sous les roues. Je me demande s'il fallait pas virer le véhicule parce que là, il dérange sur le carrefour. Attends, on va le planter là. Attends, démarre. Voilà! Là, ça dérangera moins. Faut laisser les voitures circuler librement. Alors, on fait pas ce qu'il faut et c'est dommage. Parce qu'on avait un rythme correct, très honnêtement. Mais nous l'avons perdu. Ah, monsieur. Ah! Ah! Ah, mon adrénaline. Alors, c'est là où normalement on devrait se faire renverser à gogo parce que... Avec l'adrénaline, c'est merveilleux. Ah, en fait, moi j'étais à 100%. Ouais. Et je suis à 10 minutes d'un coup à. T'as giclé comme un kiké, ça fait peur. Non, mais 48 secondes, on peut plus changer de carrefour là. Mais y'a plus personne! Mais non, mais. Ah oui, Polage démonté! Ouf! Oh, ce combo de la mort. Attends, faut que je revienne dans le carrefour là parce que. J'étais propulsé trop loin du coup. Bah. Quoi, record de linéarité? Mais ça veut rien dire. Vous êtes fous. Vous. Oh, et on n'est pas loin de l'objectif, hein. On ouais. Est assez brouillon dans le rythme, mais les chiffres sont corrects. Mais je ne trouve plus de véhicule, je ne comprends pas. Ah. Il y a un gros camion. Il y a un camion balayeuse. Ouf! Non! On va choir à quelques dollars près. Non! Oh! Comment qu'il a été éjecté l'autre?
Oh non, on était si proche. Faut qu'on la fasse. La troisième sera la bonne. Et après, on aura le droit à notre déjeuner. Mais qu'est-ce qu'elle fait? N'importe quoi, la nana que j'incarne. Raccourci GPS débloqué, pardon. Alors attends, le raccourci, il est... Attends, il me dit que le carrefour est là-bas. Ah ouais. D'accord. Ok. Moi, ça se passe ici, cette fois-ci. Alors attends, que je prenne mes repères, parce que... Comme la route est assez particulière... Tu vois, tu fais peut-être l'autre carrefour, cousin, je me trompe. Ouais, moi je pense là. D'accord. Mais pourquoi j'ai pas de bagnole, moi? Oh là là, je suis pas au bon emplacement. Alors moi, j'ai un faux départ catastrophique. Ah ouais, mais le carrefour... Si tout le monde y m'esquive en changeant de trajectoire, ça va pas le faire. Mais faut rouler, monsieur! Sinon, l'astuce de la fraude ne fonctionne pas. Il faut pas marquer... Oh, oh, pas mal ce que tu fais. Pas mal, pas mal. Il y a de l'idée. Ah. Ouf. Mais non. Mais le camion Ben qui fait nimpe. Adrenaline. Oui, bravo, cousin. Merveilleux ce que tu fais, j'adore. Ah oui, c'est presque ça. Ah, je suis trop mollasson. Ouf. Attends, le Vespa pose problème. Je vais lui faire une prise de catch. Ah non, il dégage lui-même. Ouf. Bah. Qu'est-ce que tu fais? Ah, le camion qui m'a pas essayé dessus, littéralement. C'est j'ai eu un truc là, mais je sais pas ce que ça a fait. Mon interface a changé. Ouf, j'ai été propulsé et traîné par le camion sur le carrefour. C'était nimp. Alors, monsieur... Ça n'a pas de sens. Alors, ils sont où, les vilains? Il y a la circulation, quoi? Oh! Comment que tu t'es fait exploser? Oui, monsieur, vous devriez accéder... Oh! D'accord, il y a des trucs très étranges dans la physique de jeu, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui! N'écrasez moi! La 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 voiture de police est merveilleuse! Ah oui! Ah oui, c'est une bétonnière, ça c'est quoi? Oui, mais oh et oh! A fini de rallier sur le carrefour. Ah oui, c'est bien une bétonnière. Alors, qui est où, qui est quoi, comment? Polish! Allez, faut qu'on y arrive! Il n'y a pas que le taxi dans la vie. Ah, je vois une bagnole. Elle est pour moi. Ah oui! Oh! Oh, ce crash au carrefour! Extraordinaire! Oh, on a gagné! On a gagné! C'était n'importe quoi! Bébé. Ah bah c'est bien, on finit sur un succès. Ouf. C'est bizarre. C'est. Alors je te confesserai de souvenirs de parties passées. Fraude à l'assurance, ça peut être un enchaînement de gros maboules. Mais je sais pas. J'ai le sentiment qu'on n'a pas de bol, tu vois. Parce qu'il peut y avoir vraiment des enchaînements de crash. Merci pour le GG d'encouragement, Christella. Donc, on va faire la pause déjeuner qui va durer à coup sûr jusqu'à 14h. Moi, ça va me laisser le temps de me faire du miam. Vous allez avoir des clips à gogo, mais stratégiquement aussi. Je vous avouerai que je vais télécharger le Need for Speed. Tu voulais le Hot Pursuit 3, c'est ça? Ouais. En abandonware. Parce que je ne suis pas... J'ai encore rien fait par rapport à ça. Donc, je vais tout faire à midi. Alors déjà, on va sauvegarder la partie. Ça peut être une bonne chose. Si je me suis pas... Oui. Je regardais. Ouais, c'est bien. Ouais. Si je me trompe pas, vous voyez ma tronche, si j'appuie sur la bonne touche. Oh mon dieu! Ouais, j'avais quitté le jeu. Après, moi, je
j'ai téléchargé. Qu'on va essayer de se faire à deux tout à l'heure, via Game Ranger, je crois. Alors, attends, ça me rend fou le Winamp. Je sais pas si je peux l'abaisser. J'espère que ça va pas trop flinguer mon interface. Vas-y voir que je vérifie l'interface d'ailleurs. Attends, eh ben moi je vous dis à tout à l'heure, bon app. Je vais pas couper le stream. Si, je vais couper le stream et je vais rester en vocal encore 2 minutes. Ok. Je vais couper mon stream. Attends, est-ce que je peux faire un. Eh ben attends, je vais te faire un. Non, attends, qui c'est qui est en ligne? Oui, j'ai dire, s'il n'y a personne de nouveau, tu peux couper net parce que voilà, on est entre nous. Ah, on va faire un raid à Bali Vania, tiens. Ah, c'est gentil, oui, tu as raison. C'est Gentleman. Le gyrophare que tu as mis, Christella, me rend fou. C'est de voir les GG avec le gyrophare, c'est une ambiance de fou. En plus, il est en bas de l'écran, j'avais pas fait gaffe, il est là. Burp. J'écrase le gyrophare de mon doigt. C'est n'importe quoi. J'adore. Allez.